But you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Bonjour les beautés en herbe. Alors tout d'abord, je voulais remercier bien sûr les modérateurs et surtout Cathy Welch. Et puis bien sûr, eh bien, un grand bonjour à Komugi, Amandine EEE, Anouk 28, Chamakeup 26, Sistevskiz, très beau pseudo, Clacla 6233, bonjour, bonjour à Clara, BN, à DVOL, bonjour à Emia, bonjour à Escarina, bonjour à Esteban Gomez, Fabien Vint, Gilles Leroy, Glouton Gourmand, GW, GNR, Ils H, Eb BBQ, Hélène Lam, Hello Kitty Miaou, Ikaru, It's Vodou, JB, JBAP 9, Lady Sloke, Léa 5760, Manon 10, Marceau du 27, Marie GRD, Margot, Matt 08, Maltine de 157, bonjour également à Mekespe 14, Mina HKB, MS Sniper 333, Murkrows 0, Naruanami, bonjour également à Nathan, maintenant, également à Netgwentrop, à Neptune DR, à Nivea 2406, à Non 12, à Peggy Desterk, à Pleurnicher, à Popisis, à Rensan, à Rodmomi, à Rixven 74, Sable Brisson, Sassou, Sheik 730, Soso Kitty, également bonjour à Souka 89, à Tatsael, à Watami, à Woodprick, à Yo Vliz, à Yugos 69 et à Zmenchi et également à tous ceux qui viennent d'arriver. Première question, est-ce que le son est bon? La musique est-elle trop forte? Pas trop forte? Mais je serais heureux d'avoir 1400 spectateurs, mais on n'est pas encore 1400. Tout va bien, on est déjà très nombreux par contre. Hein. Alors j'ai activé la HD par rapport à la semaine dernière. Est-ce que c'est fluide? Normalement, tout devrait bien se passer aujourd'hui. Alors, si vous vous posez la petite question, la fameuse petite question, quelle est la musique que je passe? Vous avez tout simplement un lien en dessous de ce live dans la description hein, Twitch. Et donc, vous avez un lien vers les musiques que je passe. Ce sont des musiques libres de droit. Et donc, eh bien, vous pouvez les écouter gratuitement tout simplement sur Spotify. Alors effectivement, j'ai mis comme titre voilà, que je faisais encore des tests. Tout simplement parce que normalement, vous avez un petit décalage entre le son et l'image. Et c'est ce qu'on va essayer de régler aujourd'hui. En tout cas, on va régler le décalage que vous avez entre
l'image de la webcam et le son du micro. Et donc, eh bien, pour régler ça, je vais avoir besoin de vous. Parce que moi, je ne peux pas écouter ce qui se passe dans mon ordinateur et écouter le live en même temps. Et si j'allume deux lives en même temps, ça va faire du larsen, je pense. Hein. Donc, on va régler ça tout de suite. Ça va permettre, eh bien, tout simplement d'attendre un petit peu que le monde arrive. Et puis, après, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce live? Eh bien, tout simplement, on va se maquiller en direct. Et oui, j'ai tout préparé autour de moi. On va faire un petit live maquillage. Donc, eh bien, si ça vous intéresse, restez. Si vous voulez juste discuter, eh ben, vous pouvez rester aussi, parce que je vais me maquiller en discutant avec vous, bien entendu. Alors, ce fameux micro. Hein, donc, il suffit d'aller dans les propriétés. Voilà, avancer même. Propriété audio avancée. Et donc, je peux régler le décalage qu'il y a, hein, entre le son et l'image que vous voyez. Maintenant, j'ai pas du tout, je sais pas du tout quel décalage je vais mettre. Alors, micro, c'est parti, on va rajouter 4 millisecondes, et vous me direz si c'est bon. Est-ce que le décalage est mieux et pire? Je ne sais pas, j'attends vos avis. La musique est-elle un petit peu trop forte? Je ne sais pas, hein, puisque le premier live que j'ai fait, effectivement, j'ai mis la musique moins fort que ça, on ne l'entendait même pas sur la VOD. Hein. Ah d'ailleurs, est-ce que je vous ai parlé de la chaîne Beauté en Live? C'est une chaîne YouTube qui vient d'ouvrir avec les VOD de mes lives. Donc vous avez déjà 2 lives. Et du coup, eh bien, si vous avez loupé les premiers lives, vous pourrez, après celui-ci, tout simplement aller voir sur la chaîne Beauté en Live et regarder mes 2 premiers lives qui étaient, il faut le dire, pas terribles, mais ils ont le mérite d'exister. Donc du coup, au niveau de ce micro, qu'est-ce qu'on fait là? C'est mieux, c'est pire, on change, on continue. À mon avis, il faut mettre plus que 4 millisecondes de décalage. Hein. Bon, je vous partagerai le lien après de la seconde chaîne. Là, pour l'instant, on va faire un réglage micro, parce qu'il faut le faire dès le début. Hein. Le décalage est trop grand, c'est-à-dire, il y a encore du décalage. Bon, on va mettre un plus gros décalage. Alors, hop. Oui, je vais le présenter après, le coussin. Attention. Hein. Alors, je mets 10 millisecondes de décalage et dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que ça aggrave le truc, hein. Moi, je sais pas si c'est la webcam qu'il faut que je décale ou le son, mais je pense que c'est le son, hein, qui arrive avant la webcam. Ouh. C'est pire! Au tout début, c'était parfait. Au tout début, ça m'étonnerait, j'avais pas réglé de décalage. Oh, va falloir que je regarde ça moi-même, hein. Parce que vous n'êtes pas de confiance. J'ai pas 2 beautés en herbe qui me disent la même chose. C'est pire, c'est mieux, vous vous rendez compte quand même? Allez, je mets à 15 millisecondes et je check ça avec mon téléphone portable et un deuxième casque pour pas avoir de larsen. Je ferme ses propriétés. Et donc du coup, bah, je vais comme ça vous montrer le casque que j'utilise normalement pour faire mes montages. Voilà, je vous l'ai déjà montré sur ma chaîne YouTube puisque je l'ai eu en cadeau, hein. Oui, j'utilise pas ce casque-là pour les lives, tout simplement parce que pour se maquiller et mettre du fond de teint, à mon avis, un gros casque comme ça, ça irait pas. Hein. Si on doit mettre du fond de teint à côté de l'oreille... Le son arrive avant l'image. Oui, je sais. En tout cas, le son du micro. Mais la question, c'est combien de décalage est-ce que je dois mettre? Faut mettre encore plus de décalage. Moi, je peux mettre 20... voire même 30, on va mettre un décalage de fou. Je sais qu'il y a un décalage de fou. Quelques secondes, à mon avis, c'est quelques millisecondes. C'est pas possible qu'il y ait autant de décalage. Hop. Alors, je vais donc du coup sur mon live. Et je vais m'écouter moi-même. Oui, c'est pas évident à faire, hein. Le réglage du décalage, mais il faut savoir une chose, c'est qu'après on est tranquille, on n'a plus besoin de le faire, hein. C'est juste parce que c'est les débuts là.
Oh là là, mais il faut encore mettre du décalage de fou en fait, hein. Oh, on va mettre 60 millisecondes, vous me dites. Ah, attention, on va mettre 50 millisecondes de décalage. Attention, je teste. Est-ce que cela fonctionne? La technologie moderne. Ah, il faut encore en mettre plus, hein. Oh. Eh ben dis donc, alors. Personne ne sait me dire pourquoi j'avais autant de décalage entre le webcam et... Enfin bref. C'est pas grave, on a trouvé une solution. Allez, on va mettre 65 millisecondes. Et je ferme. Je sais pas s'il faut fermer. On y est presque. Oui, c'est vrai, mademoiselle Pyrolite, on y est presque. Faudrait que je fasse des bips. Bip, bip. Ah, il faut encore en rajouter, mais un chouïa. Hein. Un chouïa, attention. C'est parti. On va mettre 70. Alors, vous pouvez remarquer une chose d'ailleurs, pendant que je fais ce petit réglage, c'est que j'ai une sale maladie quand je configure quelque chose, c'est que j'y vais de 5 en 5, c'est-à-dire que jamais je mettrai 71 ou 72. Alors qu'on pourrait, pour que ce soit encore plus efficace, on pourrait mettre 72, ou là je suis à 75 millisecondes de décalage. Bon, en tout cas, je sais que la musique de fond est bonne du coup, puisque là je peux checker en direct. Hein. La musique de fond est bien réglée. millisecondes, ça fait beaucoup ça. On teste le 500 hein, parce qu'on m'a dit 500, mais j'ai l'impression qu'on va vraiment avoir un décalage de fou là. Eh ben non, alors c'est qui m'a dit ça? C'est qui que je dois remercier? Sabri Brisson, merci! On est à peu près à 500 millisecondes de décalage. Alors, bip, bip. Bon, je le saurais, hein, maintenant c'est presque... Eh oui, on a 500 millisecondes de décalage. Bon, je vais pouvoir remettre mes écouteurs, parce que là, pour le maquillage, ça va pas le faire. Et non, mais Cathy, ça buggera plus, c'est chez moi que ça bug surtout. Hein. Chez vous, vous avez rien à faire, normalement tout est automatique chez Twitch. Hein. Et on a enfin le son synchronisé avec l'image avec 500 millisecondes de décalage pile poil. Et donc, je vais donc en profiter maintenant pour remercier les nouveaux fidèles. Max, DML, merci. Merci également à Natune23 qui devient un habitué. Et Lorac54 qui devient une habituée. Également à Bixil Love You. Merci à Julia1205. Merci à Nezaok. Merci à Jupopka. Également merci à NatouFB. Merci également donc à The Bambino 10, à Valentin X et à Nivea 2406, à Sasu 15, à JB Pap 9. Merci également à Esteban Gomez. Merci à Mariam
105. Merci à Marceau du 27. Merci à Wood de Prick. Merci à RXVEN 74. Merci à Popsis. Merci à Mademoiselle Sirkis. Et je pense que on a eu également eh bien, un nouvel habitué, c'est Drawny 93. Merci à tous. On va pouvoir hop, commencer par quelque chose d'intéressant. J'avais envie de partager avec vous. Bon, non pas la semaine que c'était assez catastrophique, parce que vous le savez, la semaine dernière, une mise à jour Windows a fait que finalement, eh bien, j'ai dû complètement supprimer Windows. Donc je n'ai plus Windows, j'utilise Linux si vous vous posez la question. Hein ? Voilà. J'en parle plus dans ma vidéo découverte favori et déception qui sera publiée dimanche. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur YouTube si vous voulez en savoir plus sur mes soucis informatiques. Du coup, ces petits soucis informatiques ont fait que j'ai perdu beaucoup de temps. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour régler les problèmes de live. J'ai dû tout réinstaller mon ordinateur une deuxième fois, enfin bref. Et j'ai du coup pas eu beaucoup le temps non plus à accorder à mes commentaires sur YouTube. Néanmoins, il y a un commentaire que j'ai vu et qui m'a fait beaucoup rire, beaucoup sourire. Donc j'avais envie de le partager avec vous. Juste le temps de le retrouver en fait. Et bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors, même si je mets pas de cœur sur vos commentaires, même si je réponds pas forcément parce que... je l'ai montré d'ailleurs dans mon live de la semaine dernière. Dans mon live de la semaine dernière, je l'ai montré. Répondre à des commentaires, c'est très long, puisqu'en 3 heures, on n'a même pas fait une journée de commentaires. Donc voilà, c'est compliqué. Mais voilà, même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, il faut savoir quand même que je les lis, les commentaires. Donc si vous marquez des conneries, je le vois, je le supprime parfois même, parce qu'il y a des trucs que cette semaine, c'était un petit peu quand même costaud. Mais là, j'ai eu un commentaire, d'ailleurs, c'est, il me semble, hier ou avant-hier, donc je vais regarder ça. Normalement, je peux même faire une recherche. Si je vais sur l'ordinateur, ce sera plus efficace, je pense. Je vais regarder ça ici. Tac, 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 tac. Alors... je vous retrouve ce petit commentaire là qui valait le détour. En espérant que ça fasse pas tout planter. YouTube et Twitch en même temps. Ah, télétravail. Moi aussi je télétravaille. Oui, on peut dire ça. Ça se fait dans les entreprises maintenant, le télétravail. Ah, quand j'étais en stage il y a très très longtemps, on n'était pas encore au point sur le télétravail. Hein. Donc, tableau de bord de la chaîne, je vais aller dans commentaires. Alors également, si vous voulez plus d'informations sur les bruitages que j'utilise pour mes alertes au niveau du stream, eh bien sachez tout simplement qu'il y a des liens en dessous du stream avec les sources des bruitages qui sont également eh bien, libres de droit. Donc je vais chercher le nom d'une ville pour tomber sur le commentaire. Je pense que je ne l'ai pas supprimé. Ah, c'est pas une vidéo qu'il faut chercher. Hein. Non. Oh là là, il est passé où ? Ah, c'est peut-être Bodyguard qui l'aurait supprimé automatiquement, ou alors. Ah, on a de la disparition de commentaires, voyez encore. Après, ils vont dire que c'est moi qui les supprime. Celui-là, je l'avais laissé parce qu'il était marrant. Bon, je vais aller voir dans Bodyguard alors. Pendant ce temps-là, on va remercier également les nouveaux habitués. Et oui, parce que vous êtes nombreux à me suivre. Merci Doudou0603. Merci à FloCXX. Merci à Juste une frite. Merci à Antoleg341. Merci à Shirley Luz de Luna. Et merci à Bay94310. Je cherche après un commentaire sur YouTube.
Oh, on est à 5920 commentaires supprimés hein, sur ma chaîne Beauté en Herbe. Donc, Ah, eh ben ça a été... Ah putain, ça a été supprimé, excusez-moi d'ailleurs pour cette vulgarité, diantre, ça a été supprimé automatiquement par Bodyguard, alors que pourtant le commentaire il n'a pas été supprimé tout de suite par Bodyguard, comme quoi Bodyguard vérifie souvent, vérifie et change les algorithmes, c'est un commentaire qui a été supprimé par Bodyguard, et du coup je vais vous le lire parce que c'est marrant, mais je vais pas commenter le commentaire. C'est un commentaire d'une certaine Ophélie, je dirais pas son nom de famille, qui m'a mis... Je t'ai vu à Anzin, Valenciennes, au moins 3-4 fois, mais les trucs, c'est que tu t'assumes pas maquillée en ville. C'est pas méchant, mais t'arrives pas à t'assumer en vidéo, mais en ville, y a plus rien. T'arrives à t'assumer en vidéo, mais en ville, y a plus rien. Ça m'a fait rire. Bon bah du coup, ça a été supprimé par Bodyguard. Merci Bodyguard. Voilà, donc si vous vous maquillez un jour, vous devez vous maquiller tous les jours, hein. Ophélie l'a dit, donc il faut le faire. Bref, comment ça va de votre côté? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, meilleure que la mienne en tout cas. Et donc je vais en profiter comme j'ai ouvert YouTube pour vous mettre la chaîne Beauté en live. Il faudrait que j'ajoute cette chaîne à la description de ma chaîne Twitch. Parce qu'en plus, j'ai remarqué une chose, c'est que sur la chaîne YouTube Beauté en Live, il n'y avait pas grand monde pour le moment. Bah oui, le message n'est pas passé. Donc voilà la chaîne. Je vais quand même attendre qu'elle charge pour voir si c'est la bonne chaîne. Attention, oui, non, que se passe-t-il? Oui, c'est bien la bonne chaîne. Et donc, où est-ce que je vous mets ça? Moi, je vous mets ça dans le chat, bien entendu. Hein. Hop, et donc, si vous voulez regarder mes premiers lives, ce sont des lives de 3 heures. Donc, vous avez deux lives de 3 heures. Également, si vous voulez eh bien revoir ce live qui est en train d'être construit et qui sera copié... ce soir, bien vous pouvez vous abonner tout simplement à la chaîne Beauté en Live. C'est une chaîne sur YouTube qui me permet de garder les VOD car Twitch ne garde pas les VOD quand on est nouveau streamer. Donc voilà, autant mettre tout sur YouTube. Et donc merci à Doudou0603, à Flox, merci à Justine Frite, Antoleg, Shirley Luz de Luna, Bye, 94310, Bascou 688, Mélusine, Angie Traviso 08, Engo, Li Loubé 01, Bobby Igosis pour eh bien vos petits follow. On n'a toujours pas trouvé de mot pour remplacer follow, c'est pas grave, en tout cas vous devenez habitué, c'est-à-dire que vous aurez les notifications et vous serez au courant et bien tout simplement quand je vais en live. Alors, bon. Alors, Hélène Lam, petite information, je lis pas les privés sur Snapchat. Je peux pas, j'ai trop de privés. Déjà Snapchat rame à cause de ça, parce que je reçois tellement de messages sur Snapchat que du coup, bah, tout rame. Et retrouver ton message parmi les centaines de messages, ça serait très compliqué pour moi. Alors, oui, donc j'allais dire, tout simplement, on va passer en plein écran en espérant que ce soit bien cadré parce que j'ai bougé l'ordinateur. Oui, tout va bien. Et donc, je voulais vous présenter un nouveau venu qui est là. Je vais le prendre et je le remettrai après. Et donc, c'est Catherine qui m'a fait un super coussin Twitch. Donc, si vous vous posez la question... Ben, il n'est pas en vente. Non, il n'est pas en vente, ce coussin. Ouh là là, faut que je me recule. Ce coussin n'est pas en vente.
C'est Catherine qui me l'a fait, c'est du fait main. C'est voilà, un modèle exclusif beauté en herbe. Donc je l'ai ouvert cette semaine dans une vidéo unboxing. Normalement, elle a été publiée ce matin, si je ne m'embrouille pas, hein, parmi toutes les vidéos qui sont déjà programmées. Et bah encore merci Catherine, parce qu'il est super ce coussin. Et alors bien sûr, derrière, vous avez hop, une petite surprise. Un petit cœur avec des fleurs. Bref, si vous vous posiez la question, et je pense qu'on va me poser souvent la question, mais où est-ce que tu l'as acheté ? Je ne l'ai pas acheté. Eh oui, c'est un cadeau. Alors par contre, j'ai pas mis, hop, je le repose là. J'ai pas mis de compteur d'abonnés là, pour le moment, parce que ça passe mal à la webcam. Donc, on verra si un peu plus tard, effectivement, eh bien, on remet le compteur comme sur YouTube ou pas du tout. Je vous ai perdu mon chat. Ah oui, effectivement, en plein écran, le chat reste pas affiché. Hein, donc, il va falloir que je l'ouvre. Hop, dans une fenêtre séparée. Parce que oui, le maquillage, je vais le réaliser en plein écran. Effectivement. On y verra plus clair en plein écran. Voilà, pour le petit chat. Petit chat que je vais tout simplement conserver au-dessus des autres fenêtres. Comme ça, je vous aurai toujours avec moi. Voilà. C'est moi la pâche. Oui, c'est Cathy Welsh ici. Mais bon, je confonds tout le temps les pseudos. C'est un problème chez moi. C'est à retenir les noms. J'ai du mal également retenir les pseudos, puis vous n'avez pas les mêmes pseudos suivant eh bien, le site sur lequel vous êtes inscrit. Hein. Donc c'est pas évident. Hein. Tsuria Rina, pardon, j'ai moi-même checké. Hein. Je surveille moi-même le chat avec un autre casque. Hein. Le son est bon. Hein. Là après, moi je peux plus rien faire. Il y a des moments en fait où vous me faites tellement baisser le son qu'on n'entend plus la musique de fond. Et pourtant, quand je regarde moi la télé, ce qui arrive très rarement, mais bon, quand on va chez des gens et qu'il y a la télé, eh bien j'entends des fois la musique de fond dans une émission qui est plus forte que celle que vous me faites mettre sur Internet. Donc non, arrêtez de faire baisser la musique de fond. Si on ne l'entend pas, autant pas en mettre du tout, quoi. Non, le son est bon. Appelle-moi Ginette. Oh, fais gaffe parce que ça va rester, Catherine. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder déjà un truc. Petite organisation comme ça. Parce qu'avant de passer dans la catégorie, oui, parce qu'on va changer de catégorie, sur Twitch, vous avez différentes catégories, et notamment, vous avez une catégorie Beauty and Body Art. C'est une catégorie dans laquelle, eh bien, on peut se maquiller, faire aussi, eh bien, des tatouages, ce genre de choses. Également du cosplay, on va changer de catégorie hein, quand on sera en train de se maquiller, mais avant de faire ça, il faut que je trouve un miroir, parce que j'avoue que j'ai préparé beaucoup de choses, mais j'ai pas préparé de miroir. Par contre, comme j'ai plein de maquillage, je dois sûrement trouver un petit boîtier quelque part. Oh, sur un live, croyez-moi, la musique de fond est très utile, parce que dès qu'il y a un blanc, sinon ça fait un gros blanc. Alors, Monsieur Beauté en Herbe, il est dans son association de vélo. Voilà. Ouh, bah, j'ai un beau petit miroir, là. J'en ai peut-être un autre. Monsieur Beauté en Herbe est dans son association de vélo, et donc, du coup, eh bien, effectivement, il n'est pas là, parce que, bon... Le mieux, c'est d'être seul quand on est en live, hein, parce que sinon, après, il y a du bruit de fond, etc., donc... Alors, petit miroir. Alors, pour m'envoyer un colis, vous avez un lien normalement sur mon blog ou alors sur ma chaîne YouTube en dessous des vidéos. Vous avez un lien qui explique tout comment faire. Ah, il est moins bien ce miroir là, vous voyez. Bon, bah écoutez, j'ai trouvé un petit miroir parce qu'il faut pas qu'il soit trop grand, sinon vous verrez rien. Hein.
Et puis après, on va commencer le maquillage, hein, parce qu'il y a du boulot. Hein. J'ai même pas fait mes ongles, alors peut-être que je ferai mes ongles également en discutant avec vous. Hop, je remets ça là-bas. Et donc, on va essayer de trouver un titre. On va essayer de trouver un titre pour ce live. Parce qu'effectivement, là, le titre est pas terrible. Hein. C'est « Je fais des tests live à 17h ». Pour le moment, ça n'a pas l'air de marcher, mais on va quand même essayer. Alors déjà, on va remplacer la petite phrase descriptive. On va mettre « Tout fonctionne », puisque maintenant, tout fonctionne. Venez me rejoindre. Ou on va mettre « Venez nous rejoindre ». Et alors là, j'ai besoin de petits conseils, de petits exemples de titres. Voilà. Alors, le programme, c'est quoi? Tout simplement, je vais me maquiller donc en direct avec des produits favoris. Parce que je viens de faire mes favoris, là, je les ai filmés. Donc, tout simplement, eh bien, je vais me maquiller avec des favoris et je cherche un petit... Je cherche un petit titre. Mes produits favoris en live proposés par Soso Kitty. Oui. Mes favoris en action, c'est pas mal ça, parce qu'il y aura sûrement du maquillage qui vient du magasin Action en plus. Je me maquille avec mes favoris du moment proposés par Miss Alissouille. Un maquillage exclusivement avec des favoris, c'est long comme titre. Hein. Mes favoris en live. Maquillage en live. On va faire un mix de plusieurs titres, je pense. Hein. Et mes favoris maquillage en live en action. Alors c'est long ça. Luna Bleu, est-ce que tu étais sur YouTube avant ou est-ce que tu connais Twitch? Petite question, petit sondage. Mais j'aimerais préciser, Cathy, que c'est des favoris maquillage. Mais mon maquillage favori en action. Ah, c'est bien ça, Popiette 94, tu as fait un beau résumé. Luna Bleu, j'aimerais savoir si c'est la première fois que tu viens sur Twitch ou si tu connaissais la plateforme avant. Ah. Et donc par rapport aux autres streams, tu trouves que ma musique est un poil trop fort. Or c'est le micro qui est trop bas, non? Bon, j'ai baissé un tout petit peu, un tout petit peu. Alors, il est où le titre? Parce que moi, on a fait une synthèse, là, tous ensemble, avec un titre. Mon maquillage favori en action, il est bien ce titre-là. Donc, du coup, bah, je vais le mettre hop sur le petit site de Twitch et je vais changer de catégorie. Comme ça, on pourra commencer le maquillage. Parce que si on se maquille dans cette catégorie-là, on va se faire gronder. Vous savez, ici, il y a des règles. C'est pas comme sur YouTube. Les streamers aiment bien faire cette blague parce que YouTube, c'est devenu un petit peu la foire. Mais ici, il y a des règles. Et si on les respecte pas, eh bien, on est banni. Et après, on peut plus faire de live. Donc en tout cas, eh bien, c'est mon maquillage favori en action. Merci pour ce joli titre tout le monde, puisque finalement c'est une synthèse de plusieurs titres. Mon maquillage favori, I ou IS.
Je pense que mon maquillage, on va mettre maquillage favori sans S. Et donc, eh bien, c'est plus la catégorie Just Chatting, pas du tout. Non, non, ça va être la catégorie Beauty and Body Art. Eh oui. Voilà, et puis on va mettre un petit... j'ai pas mis de hashtag, mais on va en rajouter un. Hop. Et voilà, et on va mettre à jour son stream. Angitravi, oui, j'ai testé, mais je vais attendre un mois avant d'en parler, parce que Sanofleur m'a dit attendez un mois avant d'en parler. Donc moi, j'attends un mois, parce que... Ah, visiblement, si on donne son avis trop rapidement, peut-être que il n'est pas correct, cet avis. Alors, effectivement, il faut attendre que la peau réagisse pour après voir si le traitement fonctionne ou pas. D'ailleurs, c'est pas vraiment un traitement, c'est pas médical, mais bon. Vous m'aurez compris. Bon. Normalement, je suis dans la bonne catégorie. Et normalement, eh bien, on va pouvoir commencer ce maquillage en direct. Ouh. Je vérifie quand même la catégorie, hein, au cas où ça ne se serait pas mis à jour. Et voilà. Ah, c'était long à charger, hein. Alors, je vais me maquiller. J'ai fait une petite sélection de produits que j'aime bien utiliser en ce moment. Donc ça va être mon premier maquillage en live. Enfin, ça, c'est pas... voilà, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est que on va commencer en essayant de résoudre un problème. Je sais pas si vous avez regardé mes vidéos récentes, mais j'ai un problème dans mes dernières vidéos. C'est tout simplement que j'ai le cou plus foncé que le visage. Et en fait, eh bien, même sans maquillage, j'ai réellement le cou qui est plus foncé que le visage. Donc ça fait pas très beau, hein, qu'on se le dise. Du coup, je vais commencer par appliquer un petit peu de lotion. C'est la lotion Elvira Skin Essential, hein, une lotion qui se vendait chez Action, qui se vend plus chez Action il me semble, mais j'en ai des stocks chez moi. Et je vais essayer de mettre ça dans mon cou pour voir si ça enlève un petit peu ce restant de bronzage et d'auto-bronzant que j'ai et qui n'est pas très très joli. Mais du coup, vous le comprenez, je lave plus mon cou que mon visage en ce moment pour essayer de, de rétablir une couleur normale. Donc c'est parti pour la petite lotion avec un coton et on va voir si ça enlève eh bien, les traces qui sont un petit peu orangées. Vous voyez ? Ça ne veut pas partir. Hein. Le coton il est toujours aussi blanc. Hein. Bon, bah voyez, j'ai vraiment le cou qui est plus foncé que mon visage. Il va falloir que je passe au gommage. Hein. Je voulais pas faire de gommage parce que ça enlève le bronzage, mais là, ça, voyez, mon bronzage est déjà mort. Hein. Comme je disais dans ma vidéo unboxing, mon bronzage est déjà mort. Il va falloir que je l'enlève avec du gommage et puis, eh bien, tout simplement que je redevienne blanc comme je l'étais avant de partir en vacances. Bon, alors, après ce semblant de lotion, bon, il faut savoir effectivement que j'ai déjà nettoyé mon visage, j'ai déjà mis de la crème de jour. J'ai mis la crème de jour, hein, bien sûr, Aqua Magnifica de Sanoflore qui m'a été offert par Sanoflore. Et donc, on va maintenant passer à la base de teint. Alors, une base de teint que j'aime bien en ce moment et que j'aime bien tout court, c'est tout simplement, eh bien, celle-ci de chez Action.
C'est la Max & More Face Primer Hydrating. Donc, c'est une base de teint hydratante. Et bah, je l'aime beaucoup et j'en ai la preuve. C'est que tout simplement, elle a déjà baissé de moitié. Alors, est-ce que ça va se voir à la webcam? Oui, ce n'est pas une caméra, ça ne fait pas la mise au point. Voyez ? En quelques mois, je l'ai déjà vidé à plus de la moitié. Donc, c'est la preuve que c'est vraiment un produit que j'utilise souvent. Donc, je vais l'appliquer avec un petit pinceau Réel Techniques. Et il faut le savoir, mais j'en mets beaucoup hein, de base de teint, moi. J'ai pas suivi qu'est-ce qui est triste. Bon, je vais prendre un miroir, ça ira mieux, hein. Quand même, respectons-nous. Le maquillage avec l'écran de retour qui a un décalage de 500 millisecondes. Non mais dites donc. Donc souvent j'en mets deux pressions sur le front, deux pressions là et un petit peu dans le cou. Donc j'en mets beaucoup mais c'est parce que c'est pas très siliconé, hein, c'est plus hydratant que siliconé comme base. Alors non, cette base là je l'applique pas au doigt parce que voilà, elle est pas siliconée en fait. Ah oui, c'est dommage que je dois déjà enlever mon bronzage, bah ouais. Ouais, ouais. Alors je me suis rasé ce matin, Peggy, mais je me suis rasé avec un rasoir électrique. Donc c'est pas un rasage de très près. C'est pour ça que souvent on me dit on voit encore ta barbe, bah oui. Hop. Et donc j'en reprends un petit peu et je vais en mettre ici. Oula, je vais vous casser les oreilles. Je décale le micro. Au moins j'ai réveillé ceux qui font la sieste. C'est chiant le bronzage, ça tient jamais. Pourtant je prends des compléments alimentaires. Hein, pour essayer de faire durer le bronzage. Mais en fait pas du tout quoi. Non, pas à l'été. Il paraît que lundi il fait 26 degrés dans le nord. Eh. Il y a une vidéo sur YouTube avec tout mon setup. Si vous voulez savoir. Ah non, dans cette vidéo-là, je parle pas de mon micro. J'ai fait une vidéo avec mon micro sur YouTube, mais c'est pas dans mon setup. Il faudrait que je fasse la liste. Hein. Mon micro, c'est un micro Logitech. Alors, je sais pas du tout la référence. Hein. Ah, tu sais, Cathy, j'ai tout essayé, moi. Les carottes, j'ai... L'auto-bronzant, bah, l'auto-bronzant ça fonctionne, mais moi sur mon visage j'y tiens pas l'auto-bronzant. La preuve, hein, c'est que quand je mets de l'auto-bronzant, bien sûr j'en mets pas que sur mon visage, j'en mets dans mon visage et dans mon cou, et bah, dans mon cou il dure beaucoup plus longtemps que sur mon visage. Après j'ai essayé les UV, alors les UV, j'ai fait une fois une série de 10 séances d'UV il me semble. J'ai attrapé des ridules sur le contour des yeux, ça m'a traumatisé, j'ai plus jamais fait d'UV de ma vie. Ça abîme la peau, les UV, c'est incroyable. Je comprends pas les gens qui font des UV comme ça, tout le temps à outrance. Parce que moi, personnellement, ça ne me convient pas du tout. Dimanche à 32, bah, moi dans le Nord, j'ai vu, c'est peut-être, ça a peut-être changé, mais j'ai vu qu'il faisait plus beau lundi que dimanche. Bien, alors en tout cas, j'ai mis ma base de teint, je pense que c'est bon, elle a eu le temps de pénétrer. Et donc maintenant, je vais utiliser un fond de teint que j'adore en ce moment, c'est le Conceal Coverage Matte de chez Max & More. Alors ça, ça se vend également chez Action. C'est des petits produits pas chers, moi c'est ma spécialité, hein, les petits produits pas chers. Et ben, il est surprenant parce qu'il paye pas de mine, mais pourtant il est super joli. Alors, moi j'ai la couleur 121 rose beige. La couleur 121 rose beige, comment vous dire, elle n'est pas rose du tout, hein. Elle est orangée. Hein. Donc c'est le seul truc à savoir, c'est que c'est une couleur qui est pas si claire. Pourtant souvent les teints rosés, on a tendance à faire des couleurs plus claires. Et c'est une couleur qui est orangée. Alors, je prends le fond de teint. Donc le fond de teint, c'est tout simplement ce qui se situe au niveau de la grande zone. Et... sur la petite pastille, vous avez l'anticerne qui est plus clair d'ailleurs que le fond de teint. Donc moi, ça m'arrange puisque moi, eh bien,
les couleurs sont bonnes. Et donc j'applique ça tout simplement avec un pinceau toujours le même, hein, comme ça le fond de teint se mélange à la base. Et eh bien vous avez un teint normalement qui est joli. Et alors j'ai une sale manie, c'est que je commence toujours par le front. Normalement on commence du bas et on monte vers le haut, hein. Bah moi je fais l'inverse. C'est dingue. Alors, vous voyez, c'est facile à estomper. Bon, la caméra, bien sûr, ça va encore augmenter les imperfections, mais c'est facile à estomper et plutôt bien couvrant. Après, là, j'avoue que j'en mets pas beaucoup, parce que de toute façon, je sors pas de chez moi. Hein. Donc, je vais pas faire un teint zéro défaut, hein, pour ce premier live. Allez, je continue l'application. Est-ce que vous l'avez testé, ce fond de teint? J'aimerais savoir si vous l'avez essayé. Non, je sors pas ce soir. En fait, je me maquille pour vous faire plaisir, puis pour faire un petit stream comme ça. Mais non, ce soir, je sors pas. Moi, je sors le samedi soir et je sors le dimanche. Je vais manger chez ma mère. Maintenant, on a changé de jour. Donc voilà, le samedi soir, souvent, je sors à Valenciennes. Et le dimanche, je vais manger chez ma maman. Alors, vous voyez même ce fond de teint-là qui est pas... très clair quand même. Et ben, par rapport à mon cou là qui est orange bizarre, il fait une grosse démarcation, c'est surprenant. Qui parmi vous va chez Action? En parlant de Kiko, vous avez vu la nouvelle pub de Kiko sur YouTube? Alors, Babyka, toi qui es Action Addict, est-ce que tu as testé le fond de teint? Ce fond de teint-là? Bon, on va descendre dans le cou, hein. Ah bah, dis donc. Alors ce qu'il y a de bien avec ce fond de teint aussi, je ne vous l'ai pas dit, c'est qu'en fait il ne sèche pas. Il a un fini mat, mais vous pouvez prendre votre temps pour l'estomper. C'est pas comme certains fonds de teint finalement qui vont avoir tendance à sécher rapidement et puis après on peut plus l'estomper, donc si on a une trace elle reste. Là pas du tout. Bon, je vais en reprendre un peu pour mon cou, hein. Ce cou qui est dans une situation complètement désespérante. Assez couvrant pour toi. Après, ça dépend de la quantité qu'on met. Hein. Moi, j'en mets toujours beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que par rapport à certains fonds de teint fluides, il est peut-être un petit peu moins couvrant. Bah, voyez, moi, il fait pas du tout orange. Il fait limite trop clair. Mais enfin, par rapport à mon cou, pas par rapport à la peau de mon visage, puisque en fait, c'est la même couleur que la peau de mon visage. Bref, on va mettre l'anti-cerne. Je vais remettre mon petit écouteur, on ne sait jamais. Il y aura un bruit bizarre dans mon ordinateur, j'ai pas envie que vous l'entendiez. Bon, normalement c'est bon, sous Linux il se passe rien, il n'y a pas de automatique de conneries comme ça. Et donc, l'anti-cerne, je l'applique du bout des doigts, moi, personnellement. Il est là. Donc c'est la petite pastille. Et c'est parti. Ah oui, non, mais si je sors, je mets un foulard, une écharpe, mais j'ai envie en fait de comprendre pourquoi ça fait ça, quoi. Parce que j'ai utilisé aucun produit
agressif sur mon visage, et pourtant mon visage il a déjà plus de bronzage, et en plus la démarcation est assez forte. Alors moi je tapote. Et c'est vrai, je suis sur Snapchat, puisque là j'ai fait un snap avant de commencer ce live. Qui c'est qui a vu mon snap avant de venir ? Salut Light 24-0. Ah, vous êtes tous venus parce que vous aviez vu le snap en fait. Et regardez la différence quand même. Je me mets droit. Hein. Je me mets droit et je parle dans le micro. Enfin bref. Là, il y a de l'anti-cerne. Là, il n'y en a pas. Vous voyez la différence ? Souvent, on me dit, pourquoi tu mets de l'anti-cerne ? T'as pas de cerne. On voit quand même une grosse différence. Hein. Ah, pas je suis entièrement d'accord. C'est parce que mon visage le récure plus que mon cou. Mais enfin, je me lave quand même. Et puis regardez. Ce que je comprends pas, c'est que même mes bras sont plus clairs. Il n'y a qu'à cet endroit-là, en fait... que ça fait ce truc. Vous avez de la musique, vous ? Elle est passée où, la musique ? Dites donc. La musique a plein de T. Ah ! Oui, j'ai déjà mis des fossiles, mais il faut aller voir tout ça sur YouTube. Il y a des tonnes et des tonnes de vidéos. Hein. Il y a au moins 400 vidéos sur YouTube. Allez, on redémarre la musique, là, sinon on va s'ennuyer, on va s'endormir. Mon anti-cerne a fait planter la musique. Moi, vous avez vu un aperçu de ce que c'est un stream sans musique. C'est trop calme. Bon, je regarde quand même ce que ça donne l'histoire. Bon, vous voyez, en tout cas, avec un seul produit, moi, je trouve que c'est pratique et ça donne un résultat qui est quand même pas trop mal. Après, c'est sûr qu'il y a sûrement mieux hein, comme produit. Mais pour partir en week-end, moi, je sais que j'embarquerai ça, par exemple. Alors, on va poudrer. Et du coup, je sais pas avec quoi je vais poudrer. Bon, moi j'avais prévu d'utiliser un mélange de deux poudres. Donc je vais faire ça, et puis s'il y a besoin de foncer un petit peu mon teint, eh bien je mettrai une autre poudre plus foncée. Mes deux poudres favoris, la poudre banane et la poudre rose de chez Primark. Et donc en fait, eh bien, si on mélange les deux, on obtient une poudre couleur chair. C'est magique. En fait... si vous voulez savoir comment on obtient du beige pour bien réaliser du maquillage, on mélange du rose avec du jaune et on obtient du beige. C'est magique. Alors, voilà pour le rose. J'espère que ça va rendre quelque chose à la caméra. Hein, parce que... Alors, je mets ça dans une petite coupelle comme ceci. Vite, je rabats mes doigts. Le rose est très pâle, c'est normal. Hein. Et on va mettre du jaune. Alors le jaune, il ne faut pas que j'en mette beaucoup. Remarquez, j'ai une peau qui est un peu trop pâle par rapport à mon cou, donc je pourrais me permettre d'en mettre un peu plus. Voilà. C'est trop long. Oui, c'est long de se maquiller quand on fait un maquillage complet de soirée. Et voilà le jaune. Vous voyez, on voit le jaune est un petit peu plus foncé là. Ah bah si je cache comme ça, vous allez mieux voir. Vous voyez, le jaune est un peu plus foncé que le rose. Et donc, je vais mélanger les deux avec un gros pinceau. C'est un pinceau de chez Raphaël. Donc, Raphaël, c'est une marque à l'origine qui faisait des pinceaux pour faire de la peinture, hein, des tableaux.
Et maintenant, ils font des pinceaux de maquillage et ils sont plutôt bien et ils sont made in France. Donc je le précise parce que c'est plutôt rare de trouver des pinceaux made in France. Et donc je me poudre le visage en tapotant. Et donc, comme d'habitude, je mets beaucoup de poudre, tout simplement parce que j'ai eu la peau grasse. Et voilà pour le teint. C'est plutôt rapide et efficace avec ces produits-là. Donc je garde la poudre que j'ai en surplus parce que je l'utiliserai demain. Si vous utilisez une coupelle pour prélever de la poudre libre, eh bien n'hésitez pas à la garder. Et eh bien maintenant je vais voir si je rajoute un petit peu de poudre foncée. Mais je pense que la poudre foncée ou même du bronzer, on mettra ça plutôt après le maquillage en finition. Voilà. Alors je l'ai pas dit, mais effectivement, vous le savez déjà si vous avez été sur mes lives précédents, mais je vais quand même le dire pour ce live. Donc on est en live de 17 à 20h tous les vendredis, donc c'est jusqu'à 20h, on a encore 2h pour se maquiller, donc on a largement le temps. J'ai la peau moins grasse qu'avant, à un moment elle était moins grasse, et là, je sais pas pourquoi, depuis le mois de septembre, là, c'est la catastrophe, elle est redevenue très grasse ma peau, donc je sais pas pourquoi. Alors, on va mettre une petite base à paupières. La base à paupières, c'est ce qui permet de faire tenir les fards à paupières. Ça évite que ça migre dans les plis, mais également, ça permet de faire ressortir la couleur d'un fard. Alors, c'est sûr que si vous avez un fard super pigmenté, vous n'avez peut-être pas besoin de base à paupières. Maintenant, si vous avez des fards qui ne coûtent pas un bras, bah, mettre une petite base à paupières, c'est plutôt pas mal. Donc, moi, c'est la Milani Eyeshadow Primer en couleur 01 Nude. Alors oui, si vous me suivez sur YouTube, vous allez dire qu'ils parlent tout le temps des mêmes produits, mais bon, j'ai fait ce petit maquillage parce que peut-être qu'il y a des personnes qui me connaissent sur Twitch mais qui ne regardent pas mes vidéos YouTube. Et donc du coup, eh bien, comme ça, vous avez un petit aperçu de mes produits favoris. Et voilà, donc j'en mets d'un côté et je fais la même chose de l'autre côté en essayant de ne pas toucher au micro. Alors, j'ai trouvé une astuce. C'est une astuce que je faisais avant, puis j'ai arrêté de le faire et maintenant je refais cette astuce. En fait, pour l'autre côté, pour mettre de la base à paupières vraiment bien dans le creux, eh bien ce que je fais, c'est que je change de main. Comme ça, je trouve que c'est plus adapté en fait. J'en mets sur ma main gauche et je tapote comme ça vraiment dans le creux. Parce que moi, en fait, c'est surtout au niveau du creux, hein, du coin interne de l'œil, que les fards ont tendance à ne pas tenir. Donc, hop, vous voyez, plutôt que de me tordre comme ça, comme je faisais avant, là, eh bien, je prends l'autre main, tout simplement. Ah, merci Love That. Donc toi, tu connais les VOD. Ah ah, je commençais à désespérer, il n'y a personne qui est abonné à cette chaîne Beauté en Live. Mais toi, tu connais Beauté en Live. Voilà, donc, la base à paupières, il faut attendre quelques secondes que ça sèche. Parce que si vous mettez vos fards tout de suite, eh bien, sur la base à paupières qui n'est pas sèche, ça peut faire des traces et ça va être difficile à travailler. Ah bah vous êtes quand même quelques-uns à vous être abonnés bien sûr sur ma chaîne, hein, Beauté en Live, mais je
Je pensais qu'il y aurait plus de monde comme ça. D'ailleurs, au début, j'en ai même pas parlé de cette chaîne parce que je me suis dit, mon Dieu, ça va faire boule de neige et puis il va y avoir plein de monde qui va débarquer d'un coup alors que mes premiers lives sont pas terribles. Et puis finalement, non, ça va. Alors, effectivement, les VOD sont disponibles sur Twitch, mais attention, parce que elles sont disponibles sur Twitch, mais pour une durée limitée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les VOD tout le temps sur Twitch. Donc autant les copier sur YouTube, c'est un moyen de sauvegarde. Alors, quelle palette vais-je utiliser aujourd'hui? Cette palette que je vous ai présentée dans mes vidéos de ce matin. J'adore cette palette. Je ne sais pas ce que je vais faire, je vais faire un truc très classique, très simple, mais je vais me maquiller les yeux avec ça. Et je vais prendre plutôt des couleurs chaudes, un peu dorées, voire même pêche. Vous voyez, elles sont là d'ailleurs. Hop, ces couleurs-là, là. Parce que après, j'ai un rouge à lèvres orangé à vous montrer. Donc, bah écoutez, c'est parti. Alors, je vais commencer par prendre une couleur qui n'est pas très foncée. Allez, on va prendre la couleur qui est ici. Vous voyez, ah, on voit mieux comme ça hein, quand la palette est ouverte. C'est un doré plutôt clair. Alors pourquoi j'utilise du clair pour mettre sur ma paupière mobile? C'est tout simplement parce que j'ai les paupières tombantes. D'ailleurs Cathy, j'aimerais savoir si ça fonctionne pour toi maintenant le live ou si ça fonctionne pas. Parce que vous pouvez régler la qualité du live, c'est-à-dire que si votre connexion internet est pourrie, normalement vous pouvez régler la qualité du live. Et mettre une qualité plus basse pour au moins avoir le son. Parce que moi je sais qu'avant la fibre optique, je galérais pour avoir Twitch. On va pas faire la mauvaise langue, mais il paraît que certains opérateurs quand même ont tendance un peu à réduire le débit de Twitch. Hein, parce que ça demande beaucoup de bande passante. Alors peut-être que votre opérateur dit « Oh là là, passe trop de temps sur elle. » Allez, c'est parti donc pour le doré. Que je prends avec un gros pinceau comme ça, un pinceau plat, c'est un pinceau de chez ELF. Donc ça n'existe plus, ELF, encore une bonne marque qui nous a quittés. Peut-être que ça reviendra un jour, comme avant. Et donc je vais reprendre mon pinceau poudre pour enlever les chutes, avant qu'elles s'ancrent dans mon visage. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Alors vous voyez, moi j'estompe déjà, hein, même un petit peu avec le pinceau plat. Ça facilite l'estompage en hein, avec le pinceau estompeur. Voilà. Et donc, souvent j'en reprends un petit peu et j'en remets vraiment le long du ras de cils pour avoir plus d'intensité. En fait, je mets une première couche que j'estompe et je remets une seconde couche, hop, sans l'estomper, juste au ras de cils et sans toucher à mon dégradé qu'il y a sur les contours. Et voilà. Donc après, bien sûr, on mettra une couleur plus foncée au coin externe. Alors, petite information, parce que j'ai vu ça un jour et ça m'a surpris. Quand on fait un maquillage, peu importe les couleurs que vous utilisez, peu importe les palettes que vous utilisez, il faut mettre le foncé en coin externe, le plus clair en coin interne. J'ai déjà vu des personnes qui faisaient l'inverse. C'est pas bon. Et après, ça fait bizarre. Donc, c'est des petits conseils basiques, hein, parce que normalement... Voilà, quand je donne des petits conseils comme ça, après on me dit « Ah, tu nous prends pour des cons !» Mais tout le monde n'est pas au courant, donc ça fait du bien des fois de rappeler hein, ces petites choses. Donc je reprends la même couleur et je vais faire pareil de l'autre côté, tout simplement. Hein. Alors, peut-être tapoter un peu, parce que là j'en ai pris beaucoup. J'ai pas vu si Cathy, elle m'a répondu.
Est-ce que Cathy, tu arrives à capter la vidéo? Ça bug, mais je m'accroche. Ah, qualité déjà. Tu es à 160 au niveau qualité et ça bug? Ah, alors là, tu as le même problème que moi j'avais. Hein. Après, là, c'est un problème d'opérateur hein, qui bride les vidéos. Hein. C'est pas possible autrement. Hein. Pourquoi YouTube marcherait et pas Twitch? Et donc, après avoir fait ça, je fais comme de l'autre côté, c'est-à-dire que j'en reprends et je remets une deuxième couche, mais plutôt au niveau du ras de cils, pour intensifier. Et voilà, alors ensuite, eh bien, on estompe, donc on prend un pinceau estompeur. La Naked It, oui. Ah oui, la palette Naked au nez. Oui, faudrait peut-être aussi passer à autre chose que les Naked. Hein. Beaucoup de personnes le disent sur YouTube. Moi, je l'ai vu, la Naked au nez, personnellement, elle me semble jolie. Qu'est-ce que je vais faire avec une énième Naked? Je veux dire, j'ai déjà la Naked, la première qu'ils ont arrêtée, on n'a pas compris pourquoi c'était la meilleure. Après, j'ai la 2, il me semble, et la 3. Et la Hit. Bon, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de naked. Hein. Ah, mais moi, des fois, je me maquille même si je sors pas. Hein. Je me maquille pour me faire plaisir. Voilà. Et puis, ça permet aussi de s'entraîner à peut-être des techniques que des fois, vous savez pas bien faire. C'est ce qu'on me pose souvent comme question avec l'eyeliner. Moi, j'ai une astuce si vous avez du mal à faire votre trait de liner. Il faut faire un trait de liner tous les jours. Alors souvent on me dit oui, mais voilà. Bon, bah si vous n'êtes pas maquillé, vous pouvez faire un trait de liner et puis l'enlever 5 minutes après. Si vous êtes maquillé, eh bien mon conseil, faites un trait de liner juste avant de vous démaquiller. Donc vous passez votre journée avec votre maquillage, vous passez votre soirée avec votre maquillage, vous allez dans votre salle de bain, oh, c'est l'heure du démaquillage. Eh bien je m'entraîne à faire un petit trait de liner. Et c'est en faisant des trade liners tous les jours que vous allez au bout d'un moment réussir à le faire. Parce que c'est... Il n'y a pas vraiment d'astuce. Hein. Moi j'ai déjà fait des vidéos parce qu'on me les réclame sur comment faire un trade liner. Mais le truc c'est qu'il faut s'entraîner. Et puis en plus chaque trade liner sera différent parce qu'il faut l'adapter à la forme de ses yeux. Donc voilà, vous pouvez vous maquiller même si vous n'avez pas besoin de sortir. Ça permet eh bien tout simplement de pas perdre la main et puis on peut essayer comme ça des techniques alternatives. Bon, moi je me maquille aussi parce que vous êtes là, donc finalement si je compte mes 3 vidéos par semaine, les jours où je sors plus mes lives, finalement je suis maquillé presque tous les jours. Mais avant je me maquillais avant YouTube, même quand j'avais pas d'occasion spéciale. Voilà, alors on va intensifier un petit peu en coin externe. Comme je l'ai dit, le foncé c'est en coin externe. Donc je regarde la palette parce que je vais regarder quelle couleur ressort bien à la caméra. Bon, il y a une couleur que j'aime bien dans cette palette. C'est celle-ci qui est un peu rouge. Voilà. Bon, si je mets mon doigt dessus, vous n'allez pas bien la voir. Celle-ci, au-dessus du violet. Mais pour aujourd'hui, j'ai envie d'essayer celle d'à côté. Hop, qui est de ce côté-là. C'est une couleur qui est un peu plus grise. Mais qui est aussi intense. À la caméra, on a l'impression qu'elle est un petit peu plus claire, mais en fait, pas du tout. Et donc, pour appliquer ça, eh bien, je vais reprendre un autre petit pinceau. Alors, est-ce que j'ai encore un pinceau dans mon... Non, eh bien, c'est pas grave. On va prendre le pinceau estompeur. Et donc, on en prend un tout petit peu de couleur foncée. Et on va eh bien, le mettre en coin externe en faisant des petits mouvements circulaires comme ça. Et il ne faut pas appuyer beaucoup sur le pinceau estompeur. Le but c'est d'avoir quelque chose de très vaporeux. Alors ça s'appelle des ombres à paupières, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un aplat de couleurs. Mais il faut vraiment vraiment eh bien, estomper et déposer la couleur doucement.
comme ceci. Et donc ce qui est bien avec cette couleur là, la plus foncée, c'est comme j'en prends très peu et comme elle est très pigmentée, eh bien en fait elle fait pas de chute, et ça c'est bien. Donc on n'hésite pas à bien travailler pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre le doré et la couleur foncée que je viens de mettre. Et alors effectivement, si après vous voyez une démarcation ici au niveau de l'arcade sourcilière ou là sur le coin externe, c'est normal, on estompera après. Donc je fais pareil de l'autre côté, je ne vais pas en mettre plus hein, d'intensité. Parce que souvent, moi j'aime bien ce genre de maquillage. Alors on me dit, oui, tu n'utilises pas des produits très pigmentés ou alors tu fais pas des maquillages de dingue. Je pense que c'est un maquillage, le genre de maquillage que je fais, c'est un maquillage pour la vie de tous les jours. C'est pas des maquillages pour aller, par exemple, au mondial de la coiffure. Effectivement, peut-être que le jour où vous allez au mondial de la coiffure, vous avez envie d'un maquillage un petit peu plus soutenu. Mais je pense que les gens se maquillent pas avec des couleurs extravagantes et avec des techniques de dingue, quoi. Alors, comme dirait mon ami esthéticienne également, de toute façon, les maquillages neutres, ce sont souvent les plus difficiles à réaliser. Parce qu'on est vite tenté de mettre trop de couleurs et d'avoir quelque chose qui est complètement trop intense. Donc, c'est pas parce que c'est léger que c'est plus facile à réaliser, au contraire. Mais oui, en fait, c'est The CD Beauty, Catherine, qui a été au mondial de la coiffure. Et elle a fait un tutoriel maquillage sur sa chaîne, Violet. Et d'ailleurs, j'ai plus de nouvelles d'elle sur Discord. Je sais pas ce qu'elle devient. Et voilà. Alors, toujours regarder si c'est symétrique. Hein. Ça a l'air à peu près symétrique. Si besoin, on rectifie. Hein. Bien, alors maintenant ce que je vais faire c'est mon ras de cils inférieur. Et on estompera tout ça après. Pour le ras de cils inférieur, je reprends un petit pinceau, là j'en ai un, tiens, avec une tranche assez fine. Et alors le but ça va être d'avoir quelque chose qui est aussi intense que mon creux là. Alors soit on reprend la même couleur, ça c'est ce qu'on faisait avant, hein. C'était facile comme ça. Et on reprenait la même couleur que le coin externe et on faisait un petit ras de cils inférieur. Parce que là également, au niveau du ras de cils inférieur, le mieux c'est de mettre une couleur un peu foncée, ça souligne le regard. Après bon, ça dépend du style de maquillage qu'on fait, mais si vous mettez un orangé comme ça, ça peut donner l'air un peu malade. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est en 2019, on a changé un peu, et bien on change de couleur. Alors là, je vais vous laisser choisir la couleur que je vais mettre tout simplement dans mon ras de cils inférieur. Je mets la palette droite comme ça, puis vous me dites. Voilà, parce que finalement, on peut à peu près mettre toutes les couleurs qu'on veut et ça sera quand même joli, même si c'est pas une couleur qui est eh bien similaire à celle du dessus. Hein. Donc voilà, vous choisissez et moi je m'exécute, puis on verra bien le résultat. De toute façon, je ne sors pas de chez moi. Hein. Alors, c'est un pinceau qui vient de chez Primark, qui m'a été offert par une abonnée. Effectivement, c'est une collection de pinceaux baguette de sorcier. Alors, j'attends vos avis, là. Vous avez les couleurs, hein. Cathy nous dit qu'elle aime les couleurs qui claquent, mais choisis-en une, il y en a deux moi. Il y en a une que j'ai envie de tester là, mais... Alors, le rouge c'est le bordeaux foncé, hein, on est d'accord, hein, mais celui-ci fait pas très rouge en vrai. Hein. Je peux vous faire un swatch pour vous montrer. En fait, ce rouge-là, il est presque marron-noir. Hein. Alors là, j'ai du bleu, du rouge, du violet, du bleu ou du violet, du bleu. Ah, 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 est-ce qu'on aurait le bleu qui serait en tête? En tête? Moi, je voulais faire du bleu aussi, en fait. Alors, vous voyez, c'est très pigmenté, parce que dès que vous mettez un swatch sur votre peau, eh bien après, vous n'arrivez plus à le démaquiller. Hein. Violet, violet. Bleu, violet. Violet, alors. Ça y est, j'ai dit que je voulais mettre du bleu, alors maintenant, on me dit violet. C'est quoi que ces gens? Le bleu est magnifique. Ah, 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 on va faire un sondage. On va faire une petite pause. Ah oui, il est que 18h20.
Allez, je vais créer un sondage. Et entre bleu et violet, bien sûr, hein, parce qu'on veut une couleur qui claque. Remarquez, il y a un vert aussi. Hein. Et le vert, il est peut-être un petit peu moins... Vous voyez le vert qui est là? Je sais pas. Allez, je vais mettre vert, violet ou bleu. Je fais un petit sondage. Vous répondrez au sondage. Et tout simplement, eh bien, on verra quelle couleur je vais mettre à mon ras-de-cils inférieur. Bon, moi, j'aimerais bien tester le bleu quand même. Ça fait un moment que je le vois. Mais je crois que le vert, je n'ai pas testé non plus, en fait. Le violet, j'ai testé dans une vidéo récente. Alors, c'est parti. Donc, quelle couleur? C'est la question que je pose. Et donc, tout simplement, il y aura du bleu, il y aura du vert, il y aura du violet. Et on crée le sondage. Et donc, tout simplement, eh bien, vous allez sur ce site et vous répondez au petit sondage. On va attendre, allez, jusqu'à et demi, ça fait 4 minutes. Et dites-moi tout simplement, eh bien, quelle couleur? À Victoria Perk, j'en sais rien du tout. Là, il faudrait demander à un officiel de chez Twitch. Parce que effectivement, sur Twitch, on peut pas faire tout ce qu'on veut. L'ésotérisme, j'en sais rien du tout. Puis il n'y a pas de catégorie ésotérisme. Donc là, tu vois... Je pourrais faire des tirages de cartes en direct, ce serait sympa. Mais... Un tirage de cartes, c'est pas méchant. Oui, mais après, si je tire les cartes à des gens, c'est-à-dire que, par exemple, je vous fais votre avenir en direct, gratuitement. Enfin, en l'échange de tout simplement des revenus publicitaires habituels. Bon, après, il y a certaines personnes qui vont dire « Oui, mais... » Je sais pas, moi. Et on a 57% de bleu pour le moment. Allez voter, allez voter. Alors, mi-bleu, mi-violet, ce ne sera pas possible parce qu'on met toujours la couleur la plus intense en coin externe. Donc, si je mets du bleu, donc du foncé en coin externe et du foncé en coin interne, ça va pas aller. Encore 2 minutes pour voter, je vous remets le lien. Et moi, pendant ce temps-là, je vais boire un petit coup. Ah, avec ce fameux gobelet qui était disponible chez Yves Rocher. Alors, je ne comprends pas ce gobelet. En fait, normalement, ce genre de couvercle-là, vous avez un petit trou pour boire. En fait, le but de ce genre d'article, c'est d'avoir un couvercle pour ne pas renverser l'eau sur votre ordinateur. Donc souvent, on met une petite ouverture là, au niveau du couvercle, vous le laissez fermer, vous buvez comme ça, vous voyez, comme les gobelets un petit peu à café. Celui-ci, chez Yves Rocher, il n'y a jamais eu d'ouverture, donc il va falloir que j'en crée une moi-même. Et également, ce que je trouve dommage avec ce petit gobelet, c'est qu'il a un super beau motif, mais il a du silicone au-dessus du motif. Donc on ne le voit pas, le motif. On est obligé d'enlever le silicone. Je vais essayer de l'enlever sans renverser, parce que le gobelet est plein d'eau, hein. Je l'ai aussi, j'ai pas compris. Ah ouais, non, mais sur la photo, en fait, quand vous regardez la photo de cette pub, là, il était super le gobelet, vous voyez? Est-ce que vous voyez? Je sais pas, j'ai pas de retour. Je pense que vous voyez. Et en fait, ben voilà, il avait l'air génial, et puis quand on le prend, ben en fait, bon. J'en profite, hein, parce que j'ai pas encore de rouge à lèvres, alors... Sinon, après, j'ai prévu une paille, quand même, pour boire sans mettre du rouge à lèvres partout. Bon, il reste 1 minute pour le sondage. Je vous remets le lien et en attendant, voilà, eh bien, je vais tout simplement faire un petit point sur les habitués. Et oui, parce qu'il y a eu plein de personnes qui ont suivi ma chaîne pendant que j'étais en train de me maquiller. Et on va peut-être les remercier, ça serait le moment. Hein. Donc, la liste est tout simplement disponible ici. Voilà. Ouh là là, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Ça fait 55 minutes que j'ai pas remercié, dis donc, les nouveaux habitués. Alors, on a Marjanou qui a
Marianne, merci Marjanou, merci à Julia 1009, merci à Mira 1701, merci à Oxia 334, merci à Trinose, merci à Mélanos, merci à Marius 855, merci à Emilouche, merci à Gawel 37, merci à Setti, merci à Light 240, merci à Wawa. Yawa, pardon, ou Yawa, je sais plus lire. Merci à Mademoiselle Rose 24, merci à Léo K1, merci à Xtaxia, merci à Imperfect Perfect, merci à Marie Skiuni, merci à KamGT, merci à Leila 943, merci à Luana Solaria, merci à Mademoiselle Lodi, merci à Steven DSB, merci à Killeuse 45, merci à B. Maeva, merci à Slasher Sao, merci à Netoile 53, merci à Alnange 2, merci à Victoria Perk, merci à Ilona Delaby, merci à Soya, merci à Varnichou, merci à Luc Fenty 57, merci à Linka 16, merci à Thaïs 8, merci à Canel DMT, merci à Prefire God. Et effectivement, j'ai du mal à lire sans mes lunettes, ça se remarque. Alors, ce sondage, il est fini, hein, il est 18h31, on va voir les réponses. Alors, j'actualise la page au cas où ça ne se serait pas actualisé, mais donc on va mettre du bleu en racine inférieure. J'ai l'impression hein, qu'on va mettre ce fameux bleu marine et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, j'ai un petit pinceau propre, ça tombe bien parce que mélanger du bleu avec du orangé, ça peut faire une couleur bizarre. Là, le pinceau est propre. Donc c'est parti, je prends cette couleur-là, bleu marine. Hop. Et je vais tout simplement, eh bien... appliquer ça en racine inférieure. Alors, je vais quand même vérifier si vous voyez quelque chose, puisque là, j'ai enlevé le retour pour faire ce sondage. Et je vais prendre un miroir, parce que là, il ne va pas falloir déborder de trop. Hein. Si on met trop de couleurs sur le racine inférieur, surtout du bleu en plus, eh bien, des fois, ce qui se produit, c'est qu'on a une impression de cerne. Alors qu'en fait, c'est pas du tout qu'on a des cernes, c'est qu'on a mis une couleur qui descend trop. Et ça fait beau avec du bleu. Par contre, tapotez bien hein, votre pinceau si vous faites ça parce que effectivement, s'il y a des chutes de bleu sur vos cernes, ça va pas être terrible. Hein. Bon, bien sûr, c'est pas fini hein, comme maquillage, il va falloir estomper les bords. Hein. Mais j'aime bien. Je trouve qu'on réussit des jolis maquillages sur Twitch. Hein. Alors, Varnichou, on est sur une palette de la marque Easy Paris Cosmetics. C'est une palette qui coûte vraiment pas cher et qui m'a été offerte par une abonnée. Et j'ai vraiment un coup de cœur pour cette palette parce qu'on peut tout faire avec, aussi bien des maquillages neutres que des maquillages colorés, voire même un mélange des deux. Et bah, il suffit de regarder ma dernière vidéo sur YouTube pour savoir d'où elle vient, tout simplement, parce que j'en parle. Non, est-ce que j'en parle dans ma dernière vidéo YouTube ? C'est dimanche que vous saurez. Dimanche, parce qu'effectivement, dimanche, il y aura mes découvertes favoris et déceptions. Ouais, c'est dans la vidéo de dimanche que vous verrez cette palette et je vous mettrai un petit lien. Sachant que la palette coûte quand même moins de 4 euros. Bon, ça après, je précise. C'est toujours bien de le savoir. Hein. Ouais, maquillage et papotage, c'est génial. J'adore, j'ai envie d'aller chercher un crayon bleu marine pour mettre dans la muqueuse. Mais on verra après l'application du mascara. Mais j'adore ce maquillage. Et oui, c'est souvent comme ça, c'est quand je sors pas de chez moi que je réalise les plus beaux maquillages. C'est dingue, hein.
Alors là, vous allez me dire, bah demain, t'as qu'à reproduire le même quand tu sors. Oui. Mais demain, je vais le faire, il sera pas aussi beau. Bien, on a mis du bleu et c'est très joli. Maintenant, il faut estomper tout ça, y compris le racine inférieur. Hein. Donc, je reprends mon pinceau estompeur et comme j'ai pris une couleur foncée avec, je vais nettoyer tout simplement dans ce truc génial. Ça nettoie les pinceaux à sec et après, ils sont comme neufs. Et donc on peut les réutiliser tout de suite. Et là je vais en profiter donc pour estomper donc les contours du maquillage sans prendre de couleur. On estompe à sec pour commencer. Donc j'estompe ici, le coin externe ici, donc au niveau de l'arcade sourcilière, le coin externe et le ras de cils. Bien fait attention que le ras de cils bleu rejoignait la couleur hein, du dessus. Ici, il faut pas qu'il y ait un trou. Hein. C'est tout de suite plus joli quand c'est estompé. Là, vous avez la version estompée, la version pas estompée. Alors moi, également, ce que j'aime bien faire, des fois, je prends mon pinceau à fond de teint et... Oui, je vais bien redessiner le coin externe avec. Parce que si je relâche mes paupières, vous voyez, des fois, ça donne un effet yeux tombants. Pour éviter ça, eh bien, hop, on estompe un petit peu avec du fond de teint pour lifter le maquillage vers le haut et éviter que ça fasse, voyez, un œil qui tombe comme ça. Parce que si le foncé descend plus bas que le coin externe, ça donne un effet œil qui tombe. Donc remontez, hop, hop, hop. Et voilà. Astuce. Du coup, j'estompe de l'autre côté aussi. Hein. Je vais tourner la tête pour faire ça, ça sera plus pratique. Et après, j'ai une question à vous poser, donc je ferai un petit sondage. Et donc, bien sûr, quand je fais mon astuce avec le pinceau à fond de teint là, pour le coin externe, je reprends pas de matière hein, sur le pinceau à fond de teint, il y en a bien assez. Hein. Alors ce côté-là, il est toujours moins bien réussi. C'est parce que je commence à vieillir. Et donc j'ai la paupière là qui se fracasse. Franchement, ça fait peur. J'ai la peau de ce côté-là qui est hyper détendue et ouais, ça tombe. Et donc à ce moment-là, quand on a fini d'estomper, eh bien on regarde si c'est symétrique. Parce qu'il se peut qu'en estompant, on ait un côté qui est plus intense que l'autre. Donc moi, je vais juste reprendre un tout petit peu de cette couleur foncée que j'ai mis en creux de paupière, je vais rectifier ici. Tout simplement parce que là, j'ai une paupière qui se casse la figure et également les fards ne tiennent plus sur cette zone. Donc il faut tout le temps que je remette un petit peu plus d'intensité ici pour que ce soit symétrique.
Et merci à tous ceux qui suivent mon live. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, bien sûr, la caméra, non, ça va. Pour une fois, on n'a pas cet effet. Hop, un petit peu ici. Alors que des fois, ça paraît bien estompé en vrai, mais à la caméra, on voit les différences au niveau de l'estompage qui n'existent pas à l'œil nu. Mais là, aujourd'hui, ça va. Alors, je prépare un petit sondage. Ah, Mulatto, je vais en parler hein, dans mes produits terminés de Mulatto. Eh oui. Eh oui. Est-ce que ça vaut le coup, Mulatto ? Réponse dans mes produits terminés. Mais tu as raison, en tout cas, dans ce que tu dis. Allez, petit sondage. Le site est ouvert, normalement. Voilà. Et je vais pas vous dire c'est quoi le sondage. Je vais vous laisser la surprise. Comme ça, eh bien... Il faudra cliquer sur le sondage pour savoir tout simplement eh bien, ce qu'il contient. Oh. Réponse 1. Réponse non. Réponse 2. Non. Oui, non. Oui, donc on peut le dire. Hein. Oui ou non. Hop. Et donc c'est parti. J'ai fait un petit sondage. Et à vous de me dire ce que je fais. Et bonjour aux nouveaux arrivants. Alors moi je réponds. Je vais mettre ça. Oh, moi j'hésite, moi je vais pas répondre, je vais juste regarder les résultats, j'hésite, c'est pour ça que je vous pose la question en vrai, parce que moi je sais pas, j'hésite, aidez-moi, côté. Ah, on a un petit bug d'affichage, c'est pas grave, petit sondage. Et moi pendant ce temps-là, je vais remercier les nouveaux. Alors, où sont-ils? Oh là là, 50-50 au moment où je regarde les nouveaux habitués. Alors en tout cas, merci à Ayam Valentin PE. Merci à Venturi14. Merci à Jimmy TRB. Merci à The Hurting The Loving. Merci à Lord Mywell. Merci à Le Pokémon Métalleux. Merci à Carole64. Merci à Alisher Jumba Ba I E V. Et merci également à Tim Tim FR. Et donc maintenant, on va tout simplement eh bien, regarder ce petit sondage. Je vous remets le lien si vous venez de débarquer. On a un petit sondage. Je me pose une petite question. Et le oui est en train de l'emporter quand même. Hein. Le oui est en train de l'emporter. On attend jusqu'à 45. 18h45, je clôt le sondage. Moi aussi, mademoiselle Pyrolite. Ou Pyroli d'ailleurs, il n'y a pas de H, mon Dieu, j'ai pas mes lunettes, je ne sais plus lire. J'aimerais bien faire des lives plus souvent, mais je manque cruellement de temps. Mais enfin, peut-être que si, effectivement, j'ai plus de soucis informatiques, je pourrais faire des lives plus souvent. Pourquoi pas un live, je sais pas, le mercredi, c'est pas possible. Ça serait le jeudi, ou le lundi, ou le jeudi. Bon, bah écoutez, 68% a marqué oui, 32% a marqué non. Il est 18h45. Et donc, effectivement, c'est une couleur claire à mon arcade sourcilière. C'était la question que je vous ai posé. Effectivement, est-ce que je mettais un petit peu de lumière là ou est-ce que j'en mets pas? Et vous m'aviez dit oui. Donc, eh bien, je vais prendre cette palette alors.
Il faut faire attention avec cette palette, tout simplement parce qu'il y a des couleurs qui sont très très claires. Ce blanc-là est beaucoup trop clair, par exemple, pour mettre sous le sourcil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre soit celle-ci, soit celle-là. Vous voyez ? Mais surtout ne pas prendre le blanc. Alors après, à côté du blanc, il y a également un petit jaune là, que j'ai jamais testé ici. Peut-être que je vais prendre ça, mais alors je vais en prendre très peu. Parce que si c'est fort clair, ça va pas être joli. Donc j'en prends un tout petit peu sur mon pinceau estompeur, toujours que j'ai lavé, hein, bien sûr, avec ma petite boîte magique. Et donc je mets un petit peu de jaune comme ça clair sous l'arcade sourcilière. Vous voyez ? Je vais en prendre un tout petit peu, je vais en mettre de l'autre côté également, mais je vais remettre une autre couleur au-dessus. Parce que c'est trop clair, je trouve. Vous voyez, si jamais un jour vous voulez prendre cette palette, sachez-le, le blanc là, ici, et le jaune d'à côté, ces deux couleurs-là, eh bien, elles sont très très claires. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le pêche qu'il y ait ici, au milieu de la palette, là, et je vais remettre du pêche au-dessus de cette couleur qui est beaucoup trop claire. Pour éviter aussi d'avoir trop de couleurs froides au-dessus des yeux. Alors par contre, ces couleurs très claires m'iront sûrement en plein hiver. Ça, c'est sûr que... Et donc pareil, je reprends un petit peu de couleur pêche. Et ici, vous voyez, même la couleur pêche, elle est très lumineuse, très claire. Hein. Et donc toujours, si vous avez une impression de maquillage qui est trop étiré, petit coup de fond de teint ici, sachant que j'ai toujours pas remis de fond de teint sur mon pinceau, et ça marche encore cette astuce. Hein. C'est un peu comme une gomme, une fois que vous avez mis votre fond de teint avec un pinceau, vous pouvez garder le pinceau et l'utiliser comme une gomme. Vous voyez là par exemple, j'ai l'impression que j'ai un petit peu de chute, hop. Un petit coup de fond de teint comme ça. Alors après, ça marche pas avec tous les fonds de teint. Et vous voyez, le fond de teint là de chez Action, eh bien, permet de faire des retouches. Et donc, une fois de plus, si vous avez l'impression d'avoir trop estompé avec la couleur claire, vous pouvez reprendre un soupçon de couleur foncée. Moi, notamment, c'est pour mettre ici, mais bon. Moi, c'est pas vraiment que j'ai trop estompé, c'est que de ce côté-là, j'ai, eh bien, effectivement... le phare qui ne tient pas. Alors j'ai vu il y a quelque temps une vidéo de Laurette. Laurette, c'est une youtubeuse assez connue qui expliquait pourquoi parfois on avait ce genre de tâches. Et puis moyen de retrouver la vidéo. Donc si vous savez pourquoi parfois on a le phare qui tient pas sur les yeux, il me semble que c'est la peau qui est trop sèche, mais je mettrai pas ma main à couper, je sais plus pourquoi j'ai pas retrouvé la vidéo. Bien, faites-moi signe. Et on va reprendre un petit peu de clair pour mettre sous le sourcil. Alors normalement, Elfie B, tu as un cœur. Tu cliques sur le cœur. Et tu vas suivre mon stream, c'est-à-dire que tu vas recevoir les notifications quand je serai en live. Et en même temps, il y aura une petite annonce qui sera affichée sur eh bien, le live. Bon, c'est bon, hein, on va pas non plus au bal hein, ce soir. Je suis pas invité par
je ne suis pas invité par Jean-Paul Gaultier ce soir. Alors, je vais maquiller mes sourcils, mais avant tout ça, qu'est-ce que je fais avant de maquiller mes sourcils? J'ai déjà essayé Bioderma, ouais, j'ai essayé beaucoup de produits pour les peaux grasses. Moi, ce qui marche le mieux, c'est l'acide azélaïque. Voilà. Mais l'acide azélaïque, en fait, ça assèche énormément la peau. Hein. Donc, il faudrait peut-être pas en abuser. Alors, qu'est-ce que je fais habituellement avant de me maquiller mes sourcils? On va voir qui est fidèle sur ma chaîne YouTube. Alors, Cathy, je pense que tu sais, mais on va laisser les gens répondre. Alors, je vais ranger la palette, hein, j'en ai plus besoin de cette palette. Sachez qu'il y a également deux blushs dans cette palette, mais les blushs sont pas terribles, donc moi je les utiliserai pas. Ok, on met ça de côté. Je brosse mes sourcils, non. Ben oui, je sais. Ah, ben oui, mais toi, tu es modératrice, on va laisser un petit peu les gens... participer. L'étape juste avant le maquillage des sourcils, c'est quoi? Du fard, le blush, non. Pas les chutes non plus. Ah là 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 là. Oui, mademoiselle Pyroli et Soso Kitty qui ont répondu à peu près en même temps. Bah effectivement, je mets de la base sur mes cils. C'est la Lancôme Silver que j'ai en échantillon. Mais enfin, les échantillons de mascara, ça m'a toujours fait rire parce que ça dure très longtemps. Et donc, pourquoi est-ce que je mets d'abord la base sur les cils et après je maquille mes sourcils? Tout simplement pour que ça ait le temps de sécher. Parce que, alors, normalement, si vous demandez à une conseillère en parfumerie, elle va vous dire qu'il faut mettre la base et tout de suite après le mascara. Moi, je trouve pas que ça fonctionne des masses si on fait comme ça. Par contre, si on met ces petites bases blanches, qu'on attend que ça sèche, et après, eh bien, on met le mascara, on a des cils de dingue, et on n'a pas besoin de recourbe-cils en faisant comme ça. Souvent, on me demande en commentaire sur YouTube, pourquoi tu n'utilises pas un recourbe-cils? Eh bien, parce qu'un recourbe-cils, finalement, ça recourbe les cils, mais l'effet ne tient pas. Alors qu'avec ces petites bases-là, c'est le produit lui-même qui va recourber les cils. Mais en plus, quand le produit va sécher, ça va fixer la courbure et après, ça tient. Donc franchement, je vous recommande. Hein. Et en plus, ça protège les cils, c'est-à-dire que si vous utilisez après un mascara proof ou autre, bien les cils seront protégés par la matière blanche et donc ils vont pas sécher, ils vont pas tomber. Ou en tout cas, ils tomberont beaucoup moins. Donc voilà, ça épaissit, ça allonge, ça recourbe et en plus ça protège, c'est vraiment bien. Bon, je vais décaler mon micro, sinon vous allez entendre des bruits étranges. Alors non, ça fait pas des cils cartonnés, justement. Surtout cette base-là de chez Lancôme, elle sépare super bien les cils. De toute façon, ça se voit au niveau de la brosse. Alors je sais pas si la qualité est assez bonne hein, sur mon live. Je pense que oui. Est-ce que j'ai un fond noir pour vous montrer? Est-ce que la brosse est blanche, du coup? Vous voyez, c'est vraiment des petits picots, mais alors, c'est même pas du picot, là, hein, c'est des fibres. C'est des fibres qui déposent la matière, et ça sépare super bien les cils. Et ça fait pas des cils cartonnés, et en plus... Eh bien, après, vous avez encore le mascara qui va séparer les cils.
Donc de toute façon, je vous montrerai le résultat après application du mascara, bien entendu. Alors des fois, j'en mets sur les cils du haut et sur les cils du bas. Des fois, j'en mets que sur les cils du haut. Voilà. Et donc, il faut juste attendre que ça sèche. Donc, on va maquiller mes sourcils. Et pour mes sourcils, eh bien, en ce moment, j'utilise un kajal. Alors, le kajal, à l'origine, c'est pas fait pour mettre dans les sourcils. Un kajal, normalement, bon, ça a la forme d'un cône comme ça. Et c'est fait pour être mis dans la muqueuse de l'œil. Donc là, c'est un kajal de chez MAC. Le truc, c'est que j'ai trouvé que la couleur était super bien pour mes sourcils en ce moment. Et par contre, dans la muqueuse, comme il est un petit peu trop rouge, eh bien, il me donne des yeux un petit peu un air malade, quoi. Des yeux un petit peu rouges. Donc du coup, eh bien, j'utilise pour mes sourcils. Alors, j'avoue que c'est pas le plus évident parce que du coup, comme c'est un cône, la mine, la pointe est assez large, mais j'arrive à m'en sortir. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez Emma. Il paraît qu'ils ont des super crayons pour sourcils là-bas. Et je verrai s'il y a une couleur qui me convient. Alors, je continue de l'autre côté. Et après, le but, là également, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir deux sourcils qui sont symétriques, c'est-à-dire qui aient la même forme. Voilà, et bien sûr, là, ça fait complètement moche. C'est normal, il faut les estomper après, avec ce produit-là, en tout cas. Ah oui, Cathy, mais déjà, Cathy, elle déchire en couture. Je vais vous remontrer, hein. Attention, les oreilles. Cathy, elle assure parce qu'elle a fait un super coussin Twitch, là. Et elle assure aussi en tant que modératrice. J'aurais pas la patience de faire des sourcils poil à poil. Ah non. Non mais déjà là, vous voyez que c'est très long ce genre de maquillage. Alors imaginez si en plus après il fallait commencer à faire des sourcils poil à poil. Alors d'ailleurs, dites-moi ceux qui ont vu ma vidéo, là, ma dernière sur YouTube, parce que j'ai changé des trucs, notamment au niveau de la lumière. Et dites-moi si vous trouvez que c'est mieux qu'avant ou si c'est trop pâle. J'ai trop estompé hein, de ce côté-là, vous voyez. Même pour les sourcils, c'est toujours la même chose dans le maquillage. C'est-à-dire que vous en appliquez, vous estompez, vous en appliquez, vous estompez, jusqu'à ce que vous obtenez eh bien, le résultat escompté. Mais là, j'ai l'impression que j'ai trop estompé, donc j'en remets un peu, tout simplement. Et ce sera bien suffisant. Puisque de toute façon, en fait, eh bien, je dois les épiler mes sourcils. Mais ça fait longtemps que je dis ça. Hein. Ça fait au moins 2 semaines que je dis, tiens, faudrait peut-être penser à les épiler. Puis à chaque fois, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que j'ai dû réinstaller mon ordinateur qu'il avait planté. Alors, j'espère quand même que j'ai un mascara. Normalement, oui, mais bon. Oui, il est là. Je vais maintenant mettre du mascara au-dessus de cette fameuse base.
base qui est, comment dire, blanche et qui sépare bien les cils, qui recourbe, qui les allonge, qui les épaissit. Donc c'est parti. Or, ça va être chiant le mascara appliqué, c'est toujours chiant, mais en tout cas, je mets le mascara Secrétal de Belle. Voilà. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez ça, parce qu'on est en live et on n'a pas une caméra hyper HD. Mais mes cils n'ont même pas de paquet avec cette base. Et alors là aussi, le mascara, ça change tout. Et alors, si vous avez les cils qui poussent vers le bas, la base blanche, c'est la seule solution que j'ai trouvée qui est efficace. Donc là, j'ai une première mascara, mais je vais en mettre une deuxième. Et voilà, avec deux couches de mascara, ce que ça donne. Donc bien sûr, pareil de l'autre côté. Très bonne question, est-ce que je préfère Action Marley ou Kievre Chat? Action Marley, il est mieux. Hein. Quoique Kievre Chat, il était bien aussi. Hein. Le pire, c'est Denain. Denain, je comprends pas pourquoi, des fois, les prix sont plus chers. Bah, le meilleur Action, de toute façon, c'est Perway si vous habitez dans ce coin-là. En Belgique, c'est quand même mieux. Hein. Alors les prix sont beaucoup moins chers et il y a plein de produits qu'on ne trouve pas en France. Voilà, donc j'ai mis du mascara sur les cils du haut, ça change tout. Hein, si des fois vous avez l'impression que votre maquillage il est bizarre, c'est parce que ben, sans mascara, effectivement, le maquillage est bizarre. Et maintenant j'en mets sur les cils du bas. Et après on aura fini le mascara, c'est le plus chiant. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Ah, petite tâche de mascara habituelle. Il fallait que ça arrive pour ce premier live maquillage. Hein. I don't think ever like we can change the weather tonight.
Et voilà avec du mascara ce que ça donne. Et donc on va attendre que le mascara sèche avant d'enlever les petites taches, bien entendu. Et je vous rappellerai comment on enlève facilement des petites taches. De mascara. Alors, notamment parce que j'en ai là ici en dessous. Et là. Alors le calendrier de l'Avent Spa, moi j'ai eu quelques produits du calendrier de l'Avent Spa de l'année dernière. Je ne sais pas si ça vaut énormément le coup. Hein. Et donc après, ben, quand c'est sec, je prends mon goupillon, c'est-à-dire le petit pinceau brosse, et je gratte. Et ça va décoller le mascara, parce que le mascara ça a une texture un petit peu spéciale. Et donc ça décolle le mascara sans abîmer eh bien, le fond de teint ou l'anti-cerne qu'on a en dessous. Yep. Et je pense qu'après on va aller chercher un petit crayon bleu marine pour mettre dans la muqueuse. Bah ouais, mais après les produits qu'il y a dedans, si t'as des échantillons par exemple de gel douche qui sentent rien, pour 9€, qu'est-ce que tu vas en faire quoi? Je sais pas, peut-être que cette année il a changé en plus. Est-ce que c'est le même que l'année dernière? Bon là ce que je vais faire, je peux plus attendre plus longtemps, je vais mettre du rouge à lèvres parce qu'en fait, j'ai les lèvres très sèches à force de parler. Donc, le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de la marque Secretal, c'est un hypoallergénique et c'est la couleur 02, Creamy Lipstick. Voilà la couleur, alors comme ça il a l'air légèrement beige, mais en fait il est très orangé et bah, ça devrait bien aller avec le maquillage du jour, alors c'est parti. Vous voyez ? Et là, tout de suite, on se sent revivre avec du rouge à lèvres. Voilà donc, avec du rouge à lèvres. Et là, eh bien, on a toujours la peau qui est toujours trop pâle. En même temps, c'est pas le rouge à lèvres qui va changer la couleur de mon visage. Bon, moi j'ai toujours ce problème de cou qui est trop bronzé par rapport à ma peau, mais du coup je vais rectifier ça, et pour rectifier ça je vais prendre une petite poudre de chez Primark. Une poudre My Perfect Color. Alors j'ai celle-ci mais il me semble que c'est la porcelaine, donc je vais prendre la deuxième qui est donc plus foncée. Voilà, c'est la Medium. Donc PS My Perfect Color Medium, et je vais l'utiliser un peu comme un bronzer, voilà. Donc je vais pas en mettre peut-être pas sur tout le visage, mais j'en prends un petit peu. Et vous voyez, je fais un genre de léger contour, quoi. Ça va me permettre également de rematifier un petit peu mon visage. Parce que ben, ça fait quand même quelques heures que j'ai mis mon fond de teint déjà. Hein. We'll be right back.
Puis alors, on va essayer d'en mettre aussi dans le coup, hein, parce que là, il va falloir rectifier ce dégradé qui ne se fait pas. Hein. Mais je pense que je vais faire un gommage, et puis c'est tout, il n'y aura plus de bronzage, et on sera tranquille. Hein. Voilà. Bon, bah ça a un petit peu amélioré la situation, mais on fera pas de miracle aujourd'hui de toute façon. Et donc maintenant, bah, je vais mettre du blush, voilà. Et donc c'est un des blushs favoris, un de mes blushs favoris, oui. C'est un blush qui se vendait chez Action aussi, et ils en ont plus, c'est dommage. C'est le DB Blush, Blushed Cheeks. C'est la couleur pêche 26, et c'est un blush irisé. Du coup, je pense pas que je vais mettre dans lumineur. On verra. Mais voilà, c'est un blush qui est pêche avec des reflets dorés. Et il est super beau. Et il est très pigmenté également. Maxas, la céréale killeuse est arrivée. La céréale pas killeuse, la céréale bannisseuse. Comment on dit en anglais bannir? La céréale banneuse. Et voilà avec du blush. Et c'est plus joli aussi avec du blush. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une très bonne question. On va partir à la recherche d'un crayon bleu marine qui peut se mettre dans la muqueuse. Sachant que j'en ai à ma coiffeuse, mais là, je ne suis pas à ma coiffeuse. Donc, j'ai déjà regardé si j'en ai pas dans mon petit set de maquillage, là. Et sinon, je pense qu'on va faire une petite pause de 5 minutes. Petite pause de 5 minutes, comme ça, eh bien, je vais chercher un crayon bleu marine. Également, eh bien, après je reviendrai et je mettrai donc ce crayon bleu marine et eh bien, on retournera dans la catégorie Just Chatting pour finir ce live et discuter, papoter. Voilà, petite pause pour moi et petite pause pour vous aussi du coup. Je vais chercher un crayon, je vais boire un petit coup d'eau et puis on se retrouve eh bien, pour la pose du crayon bleu marine, peut-être même la coiffure, parce que je vais faire un truc avec mes cheveux, mais je sais pas quoi. Et après, on retourne, eh bien, dans Just Chatting pour discuter.
Hey. Chargement en cours. Et bien cette musique. Pourquoi il met de la bonne musique quand je suis pas là, lui? Oh. Je suis allé chercher deux crayons. Donc on va se mettre en plein écran. D'ailleurs, ce sera mieux, je pense. J'ai deux crayons, je vais les swatcher. J'ai un premier crayon, alors celui-là c'est toujours le même, c'est pour ça que ça m'embête. Bon, en même temps, c'est un maquillage avec mes produits favoris. Hein. Donc, ça, ce kit de crayons-là, si vous ne l'avez pas, allez l'acheter parce que ça coûte 3 euros. Vous avez 12 couleurs compatibles pour les yeux, hein, pour les lèvres. Et dedans, vous avez notamment eh bien, ce bleu qui va super bien dans la muqueuse. Donc, ça, c'est le premier crayon que je peux mettre. Et on a le deuxième qui est un crayon de chez Action que j'ai envie de tester dans la muqueuse. Celui-là. Qui est plus clair. Voilà. Je mets la mine au bon endroit. Hein. C'est celui-là. Voilà. Donc est-ce qu'on met le premier plus foncé ou celui d'Action le plus clair? Alors Elorak, pour information, le live c'est 17h-20h tous les vendredis. Donc, on est là jusqu'à 20h encore. On met un petit coup de crayon et après on discute. Hein. Alors j'ai vu aussi un petit message passer pendant la pause. On peut pas avoir les statistiques sur l'âge des viewers sur Twitch. Donc voilà, j'ai pas la réponse. C'est deux couleurs assez proches. Hein. Et on fait un œil d'une couleur et un autre œil de l'autre. Non, je plaisante quand même pas. Mais du coup, je sais pas moi quelle couleur. Clair, foncé. Oh, c'est partagé hein, comme avis. Moi je vais mettre le plus clair et après on verra ce que ça donne. Pourquoi? Parce que si vous hésitez entre deux couleurs, il faut toujours commencer par la plus claire et après la plus foncée. C'est-à-dire que si je mets le clair et que je me rends compte que c'est trop clair, je pourrai encore mettre le plus foncé après. Alors que si je mets le plus foncé d'abord, le clair se verra plus au-dessus. Donc on va déjà essayer le clair, comme on n'est pas très clair sur quelle couleur il faut utiliser. Eh bien, on va mettre le clair et puis on verra après, sinon je repasserai le crayon un peu plus foncé. Donc c'est parti, en plus celui-là il est taillé, c'est parfait. Eh, c'est pas mal en fait le clair. Bon déjà, entre le côté où j'ai mis du bleu dans la muqueuse et le côté où j'en ai pas mis, vous voyez, on voit une différence. Ouais, je trouve ça plus joli le côté où j'ai mis du bleu parce que là, vous voyez, on a l'impression que j'ai du rouge qui ressort dans la muqueuse de l'œil. Le bleu annule un peu le côté rouge de mes yeux. C'est pas mal, hein. Faut pas tirer, hein. Faut pas tirer quand on met du crayon dans les yeux. Alors moi, par contre, j'en fais des grimaces quand je me maquille. Hein. En fait, c'est presque la même couleur que j'ai mis en ratine. Hein. Bon, après, j'ai tellement de crayons que forcément, j'ai choisi des couleurs qui sont évidentes. Hein. Je vais pas prendre un bleu marine ou un bleu ciel.
Non, j'ai pris les bleus qui allaient bien. Est-ce que c'est bon comme ça? Je pense que là on est bon au niveau du maquillage, hein. Et voilà pour le look du jour. Bon, avec un coup foncé, hein, j'aurais dû prendre... J'aurais dû foulard pour cacher ce coup, mais je vais faire du gommage et puis ça sera résolu comme problème. J'aime bien. Bleu avec un doré un peu jaune-orangé et un creux de paupière froid. Alors je pense que le creux de paupière un peu froid foncé, là, il fait un rappel avec le bleu qu'on a en dessous parce que ce sont deux couleurs froides et c'est pour ça que ça marche bien. J'aurais fait un creux de paupière orangé avec un fard orangé et du bleu en dessous. Peut-être que ça aurait pas été aussi joli. Bon, je vais enlever mes swatchs avant de mettre du crayon partout. Parce que ça commence déjà. Hein. On va prendre un petit peu de lotion. Et on va retourner ensuite en catégorie Just Chatting. Et là, j'ai des trucs à vous demander. Vous voyez, après ça part plus. Alors déjà, bah je vais pouvoir remettre mes lunettes, ça fait plaisir. Ah, et avant d'aller en Just Chatting d'ailleurs, et avant de mettre mes lunettes, on va se coiffer, parce que je vous ai préparé deux produits là, pour mettre dans mes cheveux. J'enlève ce qui me sert pour attacher mes cheveux, et donc je vais brosser un petit peu mes cheveux, mais alors... Avant de quitter la catégorie Beauty and Body Art, je voulais vous poser quelques questions sur mes cheveux parce que je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont moches. Voilà. Donc selon vous, c'est des cheveux qui sont gras, c'est des cheveux qui sont secs. C'est... Alors, je vais décaler le micro peut-être, attention, les bruits, le bruit. Vous voyez mes cheveux? J'arrive pas à savoir ce qu'ils ont. Oui, racine grasse, pointe sèche. Oula, excusez-moi. Bon, déjà, ils sont super emmêlés. Donc, on va mettre du démêlant. Hein. Ça tombe bien, j'en ai pris. Mais ouais, je sais pas ce qu'ils ont. Hein. Bon, pour finir le look du jour, j'ai sorti le baume démêlant expanseur cheveux fins et sans volume de la gamme Volumea et de la marque René Forterer Paris. C'est une miniature comme ça, magnifique. Et donc, je vais en mettre dans mes cheveux déjà pour essayer de les... Pour essayer de les démêler. Hop, j'en prends une petite noisette et c'est parti. Je supporte pas l'odeur du vinaigre, c'est ça le problème aussi, hein. Là, ce qui est bien, c'est que c'est un soin démêlant qui donne du volume. Donc moi, j'en mets légèrement en racine pour également essayer d'avoir du volume en racine. Je sais pas du tout si c'est recommandé. Mais je m'imagine mal avoir du volume sur les pointes et pas sur les racines. Donc comme c'est un soin volume, j'en mets partout. Hein. Puis il est assez léger. On va voir si j'arrive à démêler mes cheveux facilement avec ce produit, justement. Sinon, j'ai normalement... Dans le tiroir de mon bureau, j'ai normalement une petite brosse démêlante qui serait plus efficace que la brosse que j'ai ici. Mais enfin, on va déjà essayer avec cette brosse-là. Hop. Alors, c'est vrai que normalement, il faut enlever les nœuds hein, au niveau des pointes avant
de brosser l'ensemble. Moment ASMR, je me brosse les cheveux. Faudrait que je les coupe. Mais j'aimerais savoir ce qu'ils ont avant de les couper. De toute façon, j'ai des fous. Hein. Bon, il y a déjà un mieux, hein. J'ai déjà fait des bains d'huile. Alors le problème avec le bain d'huile, c'est que ça me graisse les cheveux. Et si je lave mes cheveux jusqu'à temps qu'ils ne sont plus gras, ben, j'ai aucun bénéfice avec le bain d'huile. Parce qu'une fois que j'ai enlevé le bain d'huile, mes cheveux sont dans le même état en fait. Donc je sais pas justement quoi faire avec mes cheveux. Le problème aussi, Charlie, c'est coupé à quelle longueur ? Eh. Ouais, il faut que je rachète des masques. J'avais des masques et je les ai finis. Il faudrait que je rachète des masques. Parce que là, moi je veux bien couper les pointes. Et c'est quoi couper les pointes ? Parce que moi, ma coiffeuse, hein, quand je lui demande de couper les pointes, elle coupe là. Il y a quand même ça de cheveux perdus. Hein. Bon, je fais aussi l'eau froide. Je rince à l'eau froide. Mais franchement, non. Je vois pas ce que je peux faire de mieux. Bon, bah voilà pour le look. Hein. Alors, on va essayer de faire une raie, mais j'ai pas prévu. Hop là. J'ai pas prévu de peigne. De toute façon, qu'est-ce que je fais? Oh oui. Ah mais moi je fais au moins un masque par semaine, hein. Voire même deux par semaine. Ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah voilà, on a réussi à se coiffer quand même. Hop là. Ah. C'est cette caméra qui n'est pas configurée dans le bon sens. Je vais prendre un miroir, on y arrivera mieux. Ah, moi je suis pour les soins cheveux avec silicone. Moi je suis pour les soins cheveux avec silicone parce que le silicone, pour moi, c'est comme de la cire sur un parquet. Comme le cheveu est une matière morte, si tu veux soit plus beau, eh bien il faut le cirer avec du silicone, ou comme ton parquet, si tu veux qu'il soit plus beau, il faut le cirer avec de la cire. Parce que le parquet, c'est une matière morte aussi, c'est du bois mort. Le cheveu, c'est pareil. Maintenant, effectivement, ton parquet, si tu le cires trop souvent et que tu le décapes pas, eh bien, au bout d'un moment, il s'encrasse, il devient moche. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand ton parquet il devient moche parce qu'il y a trop de couches de cire? Eh bien, tu le décapes. Et après, tu remets une couche de cire neuve. Pour les cheveux, c'est pareil. Oui, si on utilise, pardon, le micro, là. Si on utilise trop de silicone dans les cheveux, oui, au bout d'un moment, ça va pas aller. Mais alors dans ces cas-là, eh bien tu utilises des soins sans silicone ou un shampoing sans silicone. Hein. Tu fais un shampoing gommant ou autre. Le cheveu, il va redevenir neutre sans aucun produit. Tu refais un soin au silicone au-dessus. Ah bah si, le cheveu c'est une matière morte, c'est de la kératine, c'est comme les ongles. Si le cheveu n'était pas mort, vous auriez mal quand on les coupe. Hein. Le cheveu, il n'y a rien à l'intérieur, hein. C'est de la matière morte. C'est pour ça qu'on peut pas le réparer. Hein. Waouh, quelle coiffure. Ouais, ça ira hein, la coiffure hein, pour finir ce live. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais dans ma vidéo de dimanche là,
vidéo de dimanche, elle n'est pas encore en ligne, mais on n'est pas dimanche. Elle sera en ligne samedi soir à 24h ou alors dimanche à minuit. Bref. J'ai fait une de ces coiffures pour dimanche. Vous n'allez pas en revenir. Hein. Mes cheveux étaient tellement moches que j'ai mis des bigoudis, mais alors là, j'ai pris mon temps pour bien les mettre. Oh, j'avais une coiffure de dingue. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Alors effectivement, il y a certaines personnes qui disent que le silicone, ça fait pas rentrer les autres produits dans les cheveux. Ça, bon, déjà laisser respirer un cheveu, on s'entend. Hein. Le cheveu est mort. Hein. Donc il respire pas non plus le cheveu. C'est comme la peau, ça respire pas, on respire par le nez. Mais bon, certaines personnes disent oui, le silicone, après les soins, il pénètre plus, etc. etc. Quand je fais un soin au silicone et qu'après je mouille mes cheveux ils sont mouillés. Donc si mes cheveux sont mouillés, l'eau, elle rentre dans le cheveu. Si l'eau, elle arrive à rentrer dans le cheveu, les soins arrivent à rentrer également. Ouais, c'est la coiffure toute bouclée que j'ai montrée sur Snap. C'est vrai que sur Snap, vous avez des exclus, du coup, hein, parce que vous avez déjà vu cette super coiffure. Si après un soin qui contient des silicones, les cheveux sont mouillés, c'est-à-dire qu'on arrive à mouiller les cheveux, c'est-à-dire qu'on arrive encore eh bien, à faire en sorte que le cheveu absorbe de la matière. Et donc, eh bien, non. Un soin en silicone, ça ne rend pas le cheveu imperméable. Donc ouais, la guerre des silicones. Hein. Il y a des trucs comme ça parfois dans le monde de la beauté. D'ailleurs, ça a été lancé non pas par des professionnels de la beauté. Hein. Ça a été lancé par des influenceurs, ces histoires-là. Influenceurs qui ne travaillaient peut-être pas dans le domaine non plus. Donc bon. En tout cas, quand vous avez les cheveux hyper abîmés, il n'y a que le silicone qui pourra au moins essayer d'améliorer la situation. Je remets mes... Ah, je tape dans ce micro. J'ai dû bouger le micro, ça va pas. Hein. Donc, je remets mes lunettes et on va changer de catégorie. On va parler d'un petit truc. Je change le titre. Voilà, il reste une vingtaine de minutes. Je pense qu'on aura assez de temps pour parler de ce nouveau sujet. Donc du coup, bien sûr, on va changer la catégorie. Ok. Je change le titre. Alors, qui a vu le nouveau titre ? Normalement, c'est en ligne. Est-ce que vous avez vu le nouveau titre ? De quoi on va parler ? On va parler des nouveautés de chez Action. Pourquoi ? Parce que ça fait deux vidéos que je vois passer sur YouTube. Et sur ces deux vidéos, il y a des nouveautés qui ont l'air géniales que je n'ai jamais vues chez Action. Alors, premièrement, il paraît que chez Action, ils vendent maintenant un kit pour colorer ses sourcils. Alors, c'est un kit de la marque Caméléo. C'est une marque que j'ai déjà testée hein, en tant que coloration cheveux. J'aime beaucoup d'ailleurs la marque. Et bien là, il y a un kit pour sourcils. Et j'aimerais savoir si vous l'avez vu dans votre magasin Action, parce que moi, j'en trouve pas dans mon coin. Enfin, ça fait longtemps que je suis pas allé chez Action. Il faudrait que j'y retourne. Mais j'avoue que j'ai jamais vu de coloration sourcils chez Action. En tout cas, la dernière fois que je suis allé juste avant mes vacances, il n'y en avait pas. Alors, est-ce que c'est un produit récent ? Est-ce que c'est un produit qui se trouve que dans certaines régions ? Eh bien, j'aimerais savoir ce que vous, vous pensez. Alors, Maxa s'y est allée hier, elle n'a pas vu. Visiblement, il y a trois couleurs de coloration pour sourcils.
il y a du marron moyen mais qui est un peu orangé, du marron foncé et du noir. Cathy qui a cru que j'allais annoncer un truc de fou, non, toujours pas. Hein. Mais moi, il y a des moments, il y a certaines personnes qui trouvent sur YouTube des produits Action, je me demande vraiment comment elles font, parce que moi, je vois pas les mêmes choses dans mon magasin. Et alors, deuxième chose, il paraît qu'en ce moment, chez Action, il y a un kit avec des crayons pour les yeux. Des crayons pour les yeux qui seraient super crémeux, qui marqueraient super bien la muqueuse. Et alors, c'est des crayons comme le bleu que j'ai mis là. Je l'ai déjà rangé, il est là. Visiblement, il y a un set de crayons pour les yeux, avec plein de couleurs comme ça. Je pense pas que ce soit les mêmes que celui-là. Celui-là, c'est ceux qui se vendaient à l'unité, parce que... je pense pas que ce soit celui-là, parce que celui-là, il est pas si crémeux que ça. Mais il paraît qu'il y a des crayons pour les yeux super crémeux en ce moment. Et j'aimerais savoir si vous les avez vus, parce que moi, pareil, je les ai jamais vus. Alors, je sais que le rayon maquillage dans le Nord, chez Action... faut y aller le jour où il y a des livraisons, hein, parce que sinon, après on trouve plus rien. Mais est-ce qu'ils sont bien crémeux? Est-ce que ça marche dans la muqueuse aussi? C'est surtout ça ma question. Parce que, ok, ils peuvent être crémeux, mais si ça marque pas dans la muqueuse... Ah, ça doit être là que je l'ai vu alors, hein, sur la vidéo de Laurette. Bah ouais. Encore Laurette, hein. Je regarde les vidéos de Laurette, j'aime bien les vidéos de Laurette. Mais alors du coup, nous on n'a pas ça dans notre coin. Hein. Et ça marche bien dans la muqueuse en plus. Ah là là. Faut que je retourne chez Action. Les couleurs ont l'air géniales. Bah ouais, en plus c'est vrai que c'est pas des couleurs commodes. Et alors du coup, est-ce que vous avez trouvé d'autres trucs chez Action, des trucs qui sont bien? Et où est-ce que vous les avez trouvés? On ne vous demande pas votre adresse, mais au moins un nom de ville ou un nom de région, parce que visiblement, il n'y a pas les mêmes choses. Suivant les actions dans lesquelles on va. Mais non, je sors pas ce soir, mademoiselle Piroli. C'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois que je fais des beaux maquillages, je sors pas. Et quand je sors, eh bien souvent je suis pressé. Et comme j'ai pas le temps, eh bien, j'ai des maquillages qui sont beaucoup moins beaux. Bon, on va retourner avec le chat, hein, parce que ça permet de suivre quand même un peu mieux, hein, les discussions. Hein. Chargement en cours. Ah, ça va pas tout à fait charger. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs de bien? Il y a le mascara rose qui est super sympa, mais d'autres trucs même pas forcément dans le maquillage. Hein. Je t'invite, on va au bal, ouais. Monsieur Beauté en Herbe va pas être d'accord. Hein. Oh, attention au bruit là. Les serviettes en bambou. Serviettes de bain donc. Alors moi, les sprays parfumés pour la maison, j'en ai acheté un stock mais incroyable parce que j'ai eu des bons de réduction.
Donc, je vais peut-être pas en racheter chaque soir. Mais j'avoue que c'est tentant. Moi, j'avais acheté le spray parfumé, la marron, en gros flacon. Il sentait trop bon. Je viens de le finir. Il sera dans mes produits terminés, d'ailleurs. Et bon, hein, on va essayer de pas en racheter. Mais j'avoue que ça serait tentant. J'ai vu aussi, j'ai reçu un mail, et on va regarder ça ensemble. J'ai reçu un mail de chez Action. Et dans ce mail, il y avait les nouveautés d'automne. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a. Non, non, je... Halloween, pour moi, c'est pas une fête où on se déguise. Hein, donc non, Action, ils vont rien vendre d'intéressant pour faire des trucs... Alors, Action. Ouh là là, quand je cherche... Ah si, automne égale cocooning à la maison. Attention. Ah, Soso Kitty dans... Un quart d'heure, je suis plus là, donc je vais te souhaiter un bon appétit, également un bon week-end, mais moi je vais pas tarder à couper aussi, parce qu'après je vais devoir faire le repas de ce soir. Donc, voilà, donc les nouveautés de chez Action, en tout cas pour l'automne. Alors on a une horloge, effectivement, une étagère murale, un tabouret en bois. Bon, d'ailleurs, tabouret en bois, 18,95€, je trouve que c'est pas donné pour du Action. Un photophore qui a l'air magnifique, mais alors à mon avis il faut une grande table pour le mettre. Table d'appoint 9,95€, ampoule à suspendre, bon, beaucoup de déco. Hein. Un miroir à 6,95€, et c'est tout dans le mail, et c'est tout. Oh, et beaucoup de décoration effectivement en ce moment chez Action, mais... Ouais, vous le savez d'ailleurs qu'il y a un compo, un concurrent d'Action qui va ouvrir. Mais oui, mais c'est normal, le Popiette, c'est toujours comme ça. Les magasins font des prix bas à leur ouverture pour se créer une clientèle, et après quand ils ont la clientèle, ils augmentent les prix. Souvenez-vous de Lidl par exemple, à l'origine c'était pas cher, maintenant c'est devenu cher. Donc Action, à mon avis, ça va finir pareil. Mais il y a un concurrent d'Action qui va ouvrir. Alors, je me souviens plus de son nom. Hein. Je vais vous trouver ça. Et du coup, s'il y a de la concurrence, voilà, ça s'appelle Normal. Normal. Donc, Normal est une chaîne de magasins danoises qui vend des produits à prix super cassés. Son slogan en est la preuve, des articles normaux à prix anormaux. Déjà présent en Norvège, Suède, Pays-Bas et depuis peu en France, le concurrent d'Action a annoncé vouloir dépasser les frontières. Et après, j'ai pas la suite de l'article. C'est un article belge d'ailleurs. Et donc bientôt, on aura des magasins Normal en plus des magasins Action. Et donc s'il y a de la concurrence, eh bien peut-être que Action baissera ses prix. Alors, où je fais mes courses? Moi, je fais mes courses chez Auchan. Ben oui. Tout simplement parce que... je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Auchan, et on trouve de tout. Parce qu'il y a des magasins pas chers où on trouve pas tout. Il y a des magasins chers où ben, c'est pas intéressant. Et... j'ai encore reçu un mail pour un partenariat. Si vous saviez le nombre de mails que je reçois. Les trois quarts du temps, c'est du dropshipping. Donc, ils achètent sur AliExpress, ils revendent à prix de fou. Il n'y a pas longtemps, on m'a proposé une montre connectée qui fait la totale, un rythme cardiaque et tout. Bon, 170€ la montre. Bon, on me l'offre et puis j'en fais un post Instagram ou une pub sur, sur Snapchat.
Et donc, eh bien, je dirais quand même une montre connectée, j'en ai pas, ça m'intéresse en plus parce que je fais du sport. Et puis bon, je me dis, tiens, 170 € la montre connectée, je peux l'avoir gratuitement. En plus, je suis payé avec un chèque hein, pour faire la promotion de ce truc. Et puis, je vais voir sur AliExpress la montre qui était vendue 170 € et coûte 10 € sur AliExpress. Je dis, mais c'est pas possible. Et alors en plus, c'était marqué que c'était une production française. Et puis quand on commandait, c'était marqué pays de provenance Chine. Je fais, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils nous prennent pour des jambons. Alors moi, je suis un influenceur, mais je vais quand même pas vous recommander des conneries comme ça. Et j'ai plein de demandes de partenariat, mais que pour des conneries comme ça. Et du coup, bah, le problème, c'est que bah, je refuse à chaque fois parce que je vais pas vous arnaquer ou faire de la pub pour des entreprises qui arnaquent les gens. Et du coup, eh ben, je galère. Mais là, voilà, je vois encore un site hein, qui vend des trucs soi-disant miraculeux. Bon, du dévêtement. Alors, ah oui, hein, le site qui m'a contacté pour faire la promotion de sous-vêtements féminins, ça aussi, j'ai apprécié. Hein. J'ai apprécié, je me suis dit, bon, comment je vais montrer ça? Ok. Et là, c'est pareil, c'est des vêtements pour femmes, donc on me propose encore, bien sûr, à chaque fois, on nous dit qu'on va gagner... Voilà, on va devenir millionnaire en deux jours avec eux. Hein. C'est comme ça qu'ils sont rédigés les mails. Hein. Puis comme ça, il y a peut-être des jeunes influenceurs qui se font avoir. Mais voilà, là, on me propose encore un site. Voilà, puis je gagne 10% des ventes. Un site de vêtements féminins. Oui. Bon, 10% des ventes, il faut déjà vendre beaucoup hein, pour... pour eh bien gagner sa vie. Bon, il reste 10 minutes. Moi, je vais commencer à voir eh bien qui est-ce que je peux raider. Mais avant de se quitter, j'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce que vous faites de bon à manger ce soir? Cathy, elle est au taquet, mais je ne sais pas pourquoi elle banne des fois. Donc, tarte à la tomate à base de moutarde. Ah ça j'aime bien, mais monsieur Botternerbe, il aime pas la moutarde, alors au fait, bah moi je peux pas en manger. Ah, la woodbox est en train d'arriver, elle me sera livrée demain. Hors dimanche et jour férié. Oui, mais demain, on est samedi, du coup est-ce que demain ça compte? Alors, on est le 13 septembre et on va recevoir laquelle de woodbox? Ah mais c'est la woodbox du mois de septembre qu'on n'a pas encore eue. Parce qu'en fait celle que j'ai filmée il n'y a pas longtemps c'était celle du mois d'août. Ah oui parce que j'ai filmé presque en septembre. Ah donc on va recevoir la woodbox du mois de septembre, c'est monsieur Botternerbe qui va être content. Je vais lui dire demain tu as une woodbox. Mais demain, alors du coup oui, du coup ça chamboule tout là. Du coup peut-être que demain je vais filmer la woodbox. On verra la météo, il fait quel temps demain? Parce que s'il fait chaud je pourrais pas me maquiller. Et faire une vidéo. Du foie de veau, ma mère elle mange du foie de veau. Comment vous faites pour manger du foie? Je déteste ça moi. Moi je pense qu'on va manger de la jardinière de légumes avec du bœuf. Très beau, très chaud. Ouais. Woodbox. Non, météo. Pas woodbox. Woodbox elle arrive demain. Ouais, mais je suis pas sûr de l'avoir demain. Hein. Normalement, si la poste elle dit qu'on la reçoit demain, on la reçoit demain. Demain, vendredi, samedi 24 degrés et un grand soleil. Dimanche 25 degrés et lundi 24 degrés. Effectivement, ça a changé. Maintenant, c'est dimanche qu'il fait le plus beau. Elle parlait du roi des rats. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle disait? J'ai pas suivi, moi. J'ai pas vu. Puis alors, les messages après, ils sont supprimés, donc... On va finir par s'inviter les uns chez les autres. On est un peu loin les uns des autres. Hein. C'est ça, le problème. Bon, 53. Je vais aller voir si... Il faut que je regarde. Téléphone, parce que sinon vous allez avoir le stream en double.
Je vais regarder qui c'est qui est en direct pour savoir qui c'est qu'on va regarder après. Alors, who is in direct? Non, je suis en direct, sans blague. Il y a Little Big Whale et Naga Seria qui viennent de se connecter. Oui. Oui, mais Jenna, de toute façon, il y aura la rediffusion sur la chaîne Beauté en Live sur YouTube. Donc tu pourras aller voir. T'as déjà fini de manger, Soso Kitty? Ouais, il faut prendre le temps de manger. Hein. Alors, je voudrais aller voir dans la catégorie Beauty and Body Art qui c'est qu'il y a. Il y a 13 spectateurs. Ben ah non, c'est pas moi, non. On a beaucoup d'anglaises hein, dans Beauty and Body Art. Ouais. Je mange vite, mais c'est pas bon de manger vite. Oula, attention au micro là. On est combien là sur le stream? On est 73 quand même. Oh bah elle va revenir de toute façon, elle est juste time out. Hein. Si il y a eu un ban, ben elle sera une ban. Bon, on va refaire un petit tour chez les habitués là. On a effectivement beaucoup d'habitués qui sont arrivés. Et après, on va faire un point sur les followers, savoir combien on est au total. Alors, merci en tout cas à Valerian80, Word Direction, SND, MDV, Bleuet53, T-Birds of AFK, Tracy19, Clément2069, Asseline Lapinette, également merci à Axel PQR, Lourver, Viar, Emily74, I am Dylan G, Carlos1A22, également un merci à Man Go Pepper, Leila Lou, Charlie Lili, Velociraptor, 1333 également, un merci à Maria Aaron 2302, Soso80, Twitch Maison, Greg WRST, Antidémocratique, Action 69 également, un merci à Ami Audrey, Manon Sab, Manon 3, B Shaft, merci à tous pour eh bien, vos follow. On actualise tout ça, hop, et on va eh bien se quitter dans 2 minutes. Je vais aller eh bien préparer le repas du soir. Monsieur Beauté en Herbe arrive dans une demi-heure. Donc ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Mais du coup, je sais pas chez qui vous envoyez, moi. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui font des lives? Ah! Y a-t-il des streamers dans la salle?
need to know if you'll give me a second chance. They don't come on often, but please, you know. Je suis pas encore parti non plus. La question, c'est est-ce qu'il y a des streamers dans la salle? Ah oui, apparemment, il n'y a pas de streamer. Bon, on va voir. J'ai une petite idée là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh ben dis donc. Ah voilà. Ah ah ah, je cherche quelqu'un, mais je trouve pas. Oh, je suis là dans la liste, ça fait bizarre. J'ai 70 spectateurs. Petite pub. Ah, Emma Dolly, eh oui, elle est très très bien sur YouTube. Bon, si ça pouvait marcher, ça irait mieux, hein. Attendez, je surveille les gens. Mmh.
C'est pas comme une commande à McDo. Ah, Maxas, voyons. Oui, mais il y en a plein qui se sont mis en just chatting alors qu'en fait ils jouent à des jeux vidéo. J'ai laissé une chance pour le karma, mais bon, pourquoi elle insiste? Moi, mais j'aimerais être quelqu'un qui fasse pas du jeu vidéo, justement. Il y en a beaucoup de jeux vidéo sur Twitch, puis vous, ça vous intéresse pas. Puis moi, j'aimerais bien suivre un live aussi avec des gens qui discutent, vous voyez. Le problème, c'est que je trouve pas. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit en MP? Voilà, là on a un jeu, ok. Chaîne 100% muscu. Ah bon? J'en fais des découvertes sur ce site. Eh ben voilà. Eh, j'ai trouvé. Oh oui, mais ça, c'est un faux stream, ça. Ah, les faux streams. On en parle. Air coiffe. Coiffure et coloration en live. Oui, mais c'est des vidéos qui viennent d'Internet. Ça, c'est pas des vraies vidéos en direct. Hein. La Primark addict de gros colis. T'as vu qu'il y avait... Ah ben, on parle de Primark. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait un retour de produit Primark? Ah. Il faut que je trouve l'info. Retour produit Primark. Voilà. Bon, après moi c'est le site de la Voix du Nord, hein. Je suis du Nord, bon bah écoutez, effectivement, voilà. Mais je vous envoie ça parce qu'il y a des produits qu'il faut ramener en magasin parce qu'il y a un risque d'infection. Ah bon? Rappel des produits cosmétiques en raison d'infections microbiennes. Alors ce sont des sprays, hop, primer water, donc c'est des bases pour le teint. Il y en a un au charbon, un à la noix de coco et un à la pastèque. Et ben voilà, si vous avez ces produits-là, il faut les ramener, hein, parce qu'ils sont dangereux. Dangereux. Tu avais un pseudo de gaming quand tu étais ado? Marion qui fait du gaming. Tu jouais à quoi?
Age of Empire et WoW. Ah oui, c'est à l'époque ça alors, hein. J'étais en train de réfléchir moi. Ah oui, non, c'est pas tout récent comme jeu, hein. Non, moi WoW non plus, c'est pas mon style de jeu ça. Bon. Bah écoutez, hein. On va voir ce qu'on fait, hein. En tout cas, on va le faire. Fan de Primark et gameuse. Ah ouais, là c'est waouh. C'est Marion quoi. Bon. Du coup. Moi je vais mettre une petite chaîne tranquille. Et puis ben dans tous les cas, je vous souhaite un très bon week-end. Également retrouvez-moi dimanche bien sûr pour eh bien la vidéo du dimanche qui sera donc mes déceptions du mois de septembre. Voilà, et je pense qu'après il y aura la Woodbox si elle arrive à temps. Parce qu'on m'a dit qu'elle arrivait demain, mais je suis pas sûr que voilà, peut-être je l'aurai demain, peut-être je l'aurai lundi. Mais bon, si j'ai la Woodbox demain, je vous filme ça et vous aurez donc mercredi prochain. Tout simplement, eh bien, une vidéo Woodbox. En tout cas, moi, j'espère que ce live vous a fait plaisir. Et eh bien, je vous dis à bientôt, donc vendredi prochain, pour un live 17-20h. Voilà. Et eh bien, je ne sais pas encore ce qu'on va faire pendant ce live. Donc, écoutez, je réfléchirai à ça pendant la semaine. En tout cas, eh bien, je vous souhaite un bon week-end.